madame, on va aller en voyage et puis on reviendra, Inch'Allah. Parce que le sachet à Rochelle, normalement, ça doit tomber sur la nuit du destin, si tout se passe bien. Maintenant, on va laisser les gens aller à la prière ce samedi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. On va se retrouver dans quelques jours, Inch'Allah. Donc, on vous informe que ce n'est pas sûr que samedi prochain soit là. Mais on sera au Figayo. Ça aussi, c'est le dernier jeudi. Et après le Ramadan, on va aller en tournée. Il y a au moins 5 villes qui sont programmées. Et puis, on reviendra, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je voulais aussi demander à Nam. Nam. On est encore là ce soir, on est pris par le temps, c'est pas bien grave. Inch'Allah, on nous a signalé que nous avons de la visite. On a des frères qui sont là, donc tout à l'heure ils vont venir. Voilà, en même temps mieux, parce que comme on est pris par le temps. Voilà, donc, modérateur, il faut qu'on donne ça. Attrape mon babou. On voit ce que ça va donner. Salam alaikum. Voilà. Si les visiteurs sont là, vous pouvez les faire signer, Inch'Allah. Voilà, parce que Ramadan va finir bientôt. Et le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre temps. On a eu beaucoup de convertis, près de 35 convertis dans le seul mois de Ramadan. On dit Alhamdulillah. Et ça continue. Et ça, c'est la mission. C'est l'objectif également. L'objectif de faire dawa. C'est d'avoir, n'est-ce pas, des convertis, des nouvelles personnes qui deviennent musulmans par la sagesse et la bonne exhortation parce qu'ils ont découvert que l'islam est la vérité. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, fête de travail. Voilà, 19 Ramadan 1442 de l'Hégire. Donc, nous sommes à Yopougon. Nous sommes là pour prêcher, pour transmettre le message de l'éternel Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala. On vous amène vers le véritable créateur des cieux et de la terre. Et non, que vous soyez désorientés vers des divinités qui ont été inventées par d'autres personnes ou par des personnes. Le véritable Dieu qui est la tête de ceux de la terre, il s'appelle Allah. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a unique. C'est biblique et c'est coranique. Exactement. Et c'est vers lui que nous vous appelons. On vous appelle avec un verset coranique ou plusieurs versets coraniques. Allah dit dans le Coran, sourate 41, verset 34. Le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par le bien, afin que celui avec qui tu avais une animosité deviendra-t-il un ami chaleureux. Allah dit dans le Coran, sourate 5, verset 32, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Celui qui fait don à une âme, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. C'est le Coran qui le dit. Donc, un musulman n'est pas un terroriste. Mais c'est le terroriste qui dit que lui est musulman. Exactement. Si quelqu'un dit qu'il est musulman et qu'il tue au nom d'Allah, il n'est pas un musulman, mais c'est un terroriste. Parce que Allah n'a jamais demandé à quelqu'un de tuer une âme innocente. Allah a dit, défendez-vous si vous êtes attaqué. Et c'est normal. C'est vrai que le Christ a dit dans la Bible, Matthieu 5, 28, si on te frappe sur la joue droite, il faut présenter l'autre joue. Mais il parle dans quel contexte? Question. Il parle de la non-violence. Il parle de repousser le mal. Il t'a giflé par la droite, il va te frapper. Donne-lui, il n'a qu'à te frapper pour que tu puisses partir. Non. Voilà, si quelqu'un fait un pas avec toi, il faut faire deux pas avec lui. Exactement. Si quelqu'un te demande ta tunique, donne-lui le complet même. Non. Ça s'appelle la non-violence. Mm-hmm. Donc, aucun prophète n'est venu de la part de l'éternel Dieu venir imposer la guerre. Mais quand la guerre s'impose à lui, il est obligé de participer à cette guerre-là. Donc, aucun prophète n'était violent. Ils sont tous venus transmettre le même message de la part du même Dieu. On ne peut pas avoir un seul Dieu et puis avoir plusieurs religions. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Non. S'il y a un seul Dieu, unique créateur des cieux de la terre, oui. Il doit avoir une seule religion. Non. Il doit avoir un seul message qu'on transmet les messagers. Non. Il doit avoir une seule vérité. C'est ce que les messagers ont dit. Aucun prophète n'est venu contredire son frère. Il a dit bien entre les prophètes. Moïse a dit, il y a un seul Dieu. Deutéronome 6, 4. Jésus-Christ a dit, il y a un seul Dieu. Marc 12, 29. Mohamed a dit il y a un seul Dieu dans la sourate 112 et plusieurs sourates également. Exactement. Nous sommes unanimes également qu'il y a un seul Dieu. Mais pourquoi des personnes viennent nous dire non, ils sont trois en un? Mais ces prophètes-là n'ont pas enseigné ça. Nous ne pouvons pas concevoir. Nous, on n'est pas d'accord. Il y a un seul Dieu unique sans associé. Comment il s'appelle? Vous pouvez l'appeler dans votre langue, quelle que soit dans la langue que vous l'appelez. Il faut que la signification
doit être la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Exactement. Nous sommes soumis à un seul Dieu qui s'appelle Allah. Non. Nous admettons que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est le prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière après que Jésus-Christ soit passé. Exactement. Avant que Jésus-Christ n'arrive, il y a eu des prophètes comme Moïse, Salomon, Jean-Baptiste, Enoch, etc., etc. Ils sont venus transmettre le message à leur peuple respectif. Et quand le dernier messager, le prophète, vient, lui maintenant il vient à ceux qui n'ont pas reçu de messager, comme par exemple notre continent ici, on va dire bon, il n'y a pas de prophète pour les Noirs, mais celui qui a été envoyé à l'univers, il prend tout ça là en compte. Exactement. Et après lui, il n'y a pas de prophète. Non. Si quelqu'un maintenant s'auto-proclame prophète, non le met au défi qui vient dire que lui le prophète, on va le tester pour voir s'il est véritable. Chap, chap. Voilà. Donc, la Bible est là, le Coran est là. Venons chercher celui qui nous a créés. Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est ça. Est-ce qu'il nous a recommandé une manière de l'adorer? Non. Est-ce qu'il nous a donné des prescriptions bibliques et coraniques? Question. Est-ce que nous nous sommes inventés une manière de l'adorer? Réflexion. Ou c'est lui qui nous a dit de l'adorer? C'est ça. Devenez musulman pendant qu'il est encore temps. Non. On dit, je vous le répète, les frères sont là. Aziz Khan dit de vous transmettre le message. Vas-y. Et c'est par là que je vais terminer. Il y a eu quatre questions posées à la Bible. Il y a eu quatre questions posées au Coran. Les réponses du Coran ont été trouvées. Aucune réponse n'a été trouvée selon la Bible. Claire. Il dit ceci. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Claire. Premier point. Mm-hmm. Dieu a envoyé Moïse avec la Torah. Il a envoyé Jésus-Christ avec l'évangile. Il a envoyé David avec le psaume. Mohammed sur la salam avec le Coran. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Le nom du Coran est dans le Coran. Plusieurs passages du Coran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifahu wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Nous avons fait descendre un Coran qui est une guérison pour les cœurs, mais la plupart des gens sortis n'aiment les maigriants. Sourate 17 verset 82. C'est ça. Premier point. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. C'est pas logique, c'est pas normal. Quand Dieu, nous musulmans, nous nous levons, n'est-ce pas, les vendredis, pour aller à la grande mosquée ou à la mosquée pour aller faire notre prière du vendredi, mm-hmm. Est-ce que c'est coranique ça? Question. Les chrétiens se lèvent dimanche matin, ils s'en vont prier à l'église, est-ce que c'est biblique? Question. La réponse se trouve dans le Coran, mm-hmm. Il y a une sourate complète pour le vendredi, sourate 62. Et le verset 11, 9 à 11, Allah dit, lorsqu'on vous appelle à la solate du vendredi, accourez. Laissez tout négoce. Et lorsque la salat est terminée, vous pouvez maintenant vaquer à votre préoccupation ou à votre, n'est-ce pas, dans vos grouillements, comme on le dit. Non. C'est pas biblique pour dire que non, ils doivent aller à l'église dimanche. Mon frère, les frères sont là, ils peuvent venir nous contredire. Les musulmans s'élèvent, ils prennent l'avion, ils vont faire le pèlerinage à la Mecque. Est-ce qu'on leur a demandé, qui leur a dit d'aller faire le pèlerinage à la Mecque? Sourate 22, intitulée la sourate du pèlerinage. C'est coranique. Est-ce que quand mon frère va en Israël ou à Rome ou à Jérusalem pour aller faire le pèlerinage, est-ce que c'est public? Question. C'est pas public. D'autres manières même, nous-mêmes, notre manière de nous prosterner devant l'éternel Dieu pour l'adorer, en se prosternant, c'est coranique. Même apprendre l'ablution que nous le faisons, c'est coranique. Mais d'accord, si mes frères sont là, qu'ils sont capables de nous prouver le contraire de ce que nous disons, il n'y a pas de problème, on ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi. Un verset coranique, sourate 43, verset 68 à 77. Allah dit, oui. Ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit, si tu es chrétien, entre au paradis, bienvenue à nos invités et que le show commence. Soyez servis. Ouais. On dit, c'est l'assaut final. Ah ouais, pardon. Approchez un peu légèrement, voilà, ça va. Ok. Donc les frères sont là. Voilà, ils sont venus échanger avec nous. Dans la bonne entente. Inch'Allah. Parce qu'il y a la bonne entente dans notre forum. Bien sûr. Les gens viennent nous voir.
Soyez les bienvenus, les frères. Voilà, sans plus tarder, je pense qu'on va déjà. On va leur demander les nouvelles. Voilà. Bonsoir à tous. Shalom à tous. Bonjour à tous les chrétiens. Salam alaikum à tous les musulmans. Et moi, je suis le frère Taki Jean-Samuel. Et nous sommes venus partager un moment ensemble. Voilà, nous sommes venus échanger ensemble ce soir. Voilà, avec Oustad Diané et notre frère Aka Israël. Voilà, partager un moment ensemble et puis partager. Donc c'était ça. Donc c'était la nouvelle chaîne. Je vais passer la parole à mon frère et puis on va commencer. Bonsoir à tous. Voilà, il n'y a pas de souci. Les nouvelles sont bonnes en tout cas, par la grâce de Dieu. Et comme nous avons toujours, comme pour habitude, la mission de, n'est-ce pas, présenter la vérité. Voilà, donc ce soir, voilà, nous avons essayé d'effectuer un déplacement, de venir rencontrer nos frères. Parce que depuis un certain moment, voilà, on les suit un peu sur les réseaux sociaux. Et on voit qu'il y a certaines questions qui peut-être fatiguent un peu d'autres chrétiens. Mais je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces questions-là auront leur réponse aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, là, ces questions ne seront plus posées encore. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Oui, soyez les bienvenus. Bon, nous on est sur Internet. Si, là, ça c'est sur Internet. Mais là, vous nous avez attrapé. Donc, qu'est-ce que vous nous reprochez? On vous écoute. Et puis, bon, voilà, on va voir si on a si ce qu'on a dit là. Si on est prêt à confirmer devant vous, parce que peut-être on a menti derrière vous. Mais vous êtes là, donc on vous écoute alors. D'accord. Avant de revenir tout à l'heure, là, tu as parlé de quatre questions dans l'islam, quatre questions dans le christianisme. Dans la Bible et le Coran. Voilà, pardon, dans la Bible et le Coran. Mais avant d'arriver à là, il y a une question qui tournait beaucoup. Voilà, et je voyais que parfois tu demandais à nos frères chrétiens qui est Jésus, qui est Marie, ceci, cela. Et voilà, ces questions-là, j'aimerais que tu me les poses. Et ensemble, je vais peut-être te donner les réponses. Et je sais qu'à partir de là, voilà, cette question-là ne sera plus posée aussi. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Inna dina inna Allah Islam. Voici ce que je pose comme question. Et avant ma question, j'ai toujours demandé l'honnêteté et la sincérité de mes frères chrétiens. Je le dis et je prends l'engagement d'être honnête avec vous. Si vous dites quelque chose qui est vrai, j'accepterai. Est-ce que vous êtes prêts à être honnête et sincère? Effectivement, c'est pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup. La première question que je pose, qui est Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même? Jésus-Christ est Dieu. Je répète, qui est Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même? Jésus-Christ est Dieu. Tu n'as pas répondu. Je n'ai pas dit selon toi. Si c'est selon toi, tu dis il est Dieu. Mais je dis selon Jésus lui-même. Est-ce que qu'a-t-il dit de lui-même? Tu sais, Jésus-Christ a dit dans la Bible, écoute-moi très bien. Il a dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui le révèle. Donc, nul ne connaît aussi le Fils si ce n'est le Père qui le révèle. Donc, en réalité, avant de connaître la réelle personne de Jésus, n'attends pas ce qu'il a dit de lui-même. Parce que Adam n'a pas attendu que ça sorte de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu m'a dit, Jésus, Dieu, adore-moi, avant qu'Adam va commencer à l'adorer. Voilà, donc Jésus, on le reçoit par révélation. Et sa personnalité, c'est par révélation. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de la mission qu'il est venu accomplir. Et comment est-ce qu'il est venu pour accomplir cette mission-là? Tu comprends? Voilà. Nous savons tous ici que Dieu n'est pas un homme. Mais si Dieu s'est fait homme pour venir, voilà. Ce n'est pas que demain, on regarde un homme qui va venir aussi se prétendre Dieu, comme les autres le font aussi dans d'autres pays. Voilà. Donc, Jésus n'a pas dit physiquement, je suis Dieu, adorez-moi. Mais c'est par révélation qu'on connaît qui est Jésus. Or ici, on n'est pas dans la révélation, mais on est dans la réalité. Donc, il ne faut pas parler de révélation. Puisque nous, ici, il n'y a pas de révélation, on est dans la réalité. Qu'est-ce que tu appelles réalité? La réalité, c'est que quand il dit on est dans la réalité, quand tu dis là, on demande Jésus dans la Bible. Quand moi, il dit là, on l'interroge. Là-bas, il n'y a pas à faire de révélation. Il a dit et il a dit. Parce que quand c'est révélation, c'est ce qu'on ne voit pas. Révélation veut dire, par exemple, il faut comprendre sans voir. Il faut accepter sans chercher à comprendre. Non. C'est écrit où qu'il dit je suis Dieu. En fait, cette question-là, ça c'est la question qui fatigue un peu les musulmans. Parce que si Jésus avait simplement dit je suis Dieu, même les souverains sacrificateurs, tout ça n'allait pas aussi se poser cette question. Même aujourd'hui, tu n'allais pas débattre dessus. Je le répète encore.
prophète Osée. Ce n'est pas une question de répéter. Ce que tu dis, je comprends bien. C'est toi qui refuses de moi, mais comprends. J'avais dit d'être sincère au départ. Ah. Est-ce que Jésus-Christ a dit quelque part que lui il était Dieu? Il t'a dit qu'il était Dieu? Alors quand je parlais, j'ai dit Jésus n'a pas dit je suis Dieu. On est d'accord, bon. Voilà. Là, on est d'accord. Donc il n'a jamais dit qu'il est Dieu. On est d'accord? Oui, allons-y. Mais s'il n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais qu'a-t-il dit de lui-même? Il a dit qu'il est un envoyé ou bien n'a pas dit? Il a dit qu'il était un envoyé. De qui? Écoute-moi. Il a dit qu'il était un envoyé. Tout à l'heure quand je parlais là, tout à l'heure quand je parlais, moi j'ai demandé simplement sincérité et honnêteté. C'est tout ce que j'ai dit. Quand je parlais, j'ai dit Christ, on le connaît par révélation. Et toi qui n'as pas la révélation de Christ, ce n'est pas de manière physique ni de manière charnelle que tu vas connaître réellement Christ. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Sinon, il y a longtemps, tu aurais dû avoir la réponse à ta question. Donc, ça, c'est pas en fait une question. Maintenant, je vais dire, pour me faire comprendre que Christ est Dieu, tu vas forcément utiliser les écritures. Ce n'est pas en révélation seulement que tu vas me dire. Donc laisse révélation s'asseoir, allons dans les écritures. C'est là-bas, ça va nous départager. Par exemple, quand tu dis révélation là, je répète encore, la révélation dont tu parles, c'est que tu as m'expliqué des choses qui ne sont pas bibliques et tu as dit je ne peux pas comprendre. Merci. Merci beaucoup. Tu ne pourras jamais comprendre. Merci beaucoup. Je sais. Parce que tu ne vas jamais comprendre ou accepter. Et je te rejoins. Tu ne vas jamais accepter qu'un homme comme ça se dise qu'il est Dieu, tu vas comprendre ça, n'est-ce pas? Maintenant, pour vous faire comprendre, je te dis. Par ta nature humaine, n'est-ce pas? Tu ne pourras jamais comprendre ou jamais accepter que Jésus soit Dieu. Est-ce que ça au moins tu comprends? Est-ce que ça au moins tu comprends? Mon frère, moi par exemple, musulman, Oustaz, oui, Allah il est qui? Il a une fois dit il est Allah, oui. Sourate 20, verset 14. C'est moi Allah. Pas de divinité à part moi. Adore-moi et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Allah l'a dit. Sans crainte, je vais dans la Bible, Ésaïe 46, le verset 9. L'éternel Dieu dit, je ne parle pas de Jésus, l'éternel Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Mon frère, la parole que j'ai lue dans le livre d'Ésaïe 46, 9, c'est Jésus-Christ qui nous dit. Ou bien c'est Dieu qui le dit. La parole que tu lis dans Ésaïe. Et tu me demandes si c'est Dieu qui le dit ou c'est Jésus qui le dit. Oui. C'est ça? Oui. C'est Jésus qui le dit. Et on te fait comprendre que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, il était quoi? Il était invisible. Mais là, dans le Nouveau Testament, on te dit toujours que c'est par rapport à la mission qu'il est venu accomplir là, qui s'est fait homme pour venir. Écoute-moi bien, qui s'est fait homme pour venir. Maintenant, étant un homme, il est venu en tant que quoi? Un homme, mais étant un agneau pour se sacrifier. Donc tu ne vas pas te référer, n'est-ce pas, à être à l'état d'agneau ou l'état d'être un homme là, pour discuter, dit qui n'est pas Dieu, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas cela. Or, sa mission n'était pas venue se montrer en tant que Dieu, mais venir en tant qu'un agneau et mourir. Est-ce que ça au moins tu comprends? C'est ce que toi t'as dit, non? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce que la Bible dit ou c'est ce que moi je dis? Maintenant, si c'est ce que la Bible dit, on est en train de chercher qui? Dieu, non? C'est pas de Dieu on parle ici. C'est de Dieu on parle, bien sûr. Mais Dieu dit que lui, il est Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Tu me dis, c'est Jésus qui dit ça. Il ne parle pas de ta révélation. Selon la Bible, Jésus n'était même pas encore né. C'est pas le même Isaïe qui annonce, selon vous, la naissance de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est pas Esaïe qui annonce ça selon vous que vous dites que c'est Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous dites que c'est Jésus, non? Bon, je vais te faire comprendre facilement. Non, j'ai pas compris. Non, on va maintenant entrer dans les Écritures, n'est-ce pas? Ok. Donc tu as laissé révélation avant dans les Écritures. Alors, prenons Esaïe 44, le verset 6. Et après, on peut prendre aussi Esaïe 48, le verset 12. Alors, rapidement. Ésaïe 44, verset 6. Lecture pour eux, s'il vous plaît. Si vous êtes à la page, vous lisez. Ainsi parle l'Éternel, oui. Roi d'Israël, oui. Et son Rédempteur. Et son Rédempteur, oui. L'Éternel des armées. Mm-hmm. Je suis le premier. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Je suis le dernier. Et hors moi, et, oui. Il n'y a point de Dieu. Et il n'y a point de Dieu, merci. Allons 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi,
Israël que j'ai appelé. C'est moi. C'est moi? C'est moi. Oui. Moi qui suis le premier. Je suis le premier. C'est aussi moi. Oui. Qui suis le dernier. Qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre. Voilà, merci bien. Maintenant, allons. Allons, je vous écoute, on vous écoute. Voilà, maintenant, allons dans Apocalypse 1, le verset 18, Apocalypse 2, 8 et Apocalypse 22, 13. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier. Qui parle ici? Non, excuse-moi, qui parle ici? Dans l'Apocalypse? Oui, 18. Apocalypse 1, 18, qui parle ici? C'est Jean qui répète ce que le Jésus dit. Alors doucement, oui, continue la lecture. Voilà. Je suis le premier et le dernier. Tu vas comprendre simplement. Mais je suis après, t'attends. Voilà, allons. Alors oui. Je suis le premier et le dernier. Oui. Et le vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Oui. J'étais mort. Qui est mort? C'est Jean qui était mort. Tu es foutu même. Non. Allons. Écoute-moi bien. Il était mort, il est resté mort ou quoi? Écoute-moi. Oui, allons. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Les siècles des siècles. Amen. 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 Allons doucement. Allons doucement. Tu auras tout le temps. Maintenant, Apocalypse 2, le verset 8. Apocalypse 2, le verset 8. Dès que tu finis. Écrit à l'ange de l'église. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église. De Smyrne. Oui. Voici ce que dit le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort. Celui qui était mort. Et qui est revenu. Et qui est revenu à la vie. Voici ce que dit encore le premier et le dernier. Oui. Maintenant, dernier verset. Dernier verset. Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse 22, verset 13. Positionnez-moi en Bakou 2, 1, 12 là-bas, dans Bible, pour ce père. Je cite. Oui. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et le commencement et la fin. D'accord. Donc ici là, quand nous avons lu tout à l'heure les passages d'Esaïe là, qui parlait là-bas? Je vous écoute. Hein? Non. Qui parlait dans le passage d'Esaïe? C'est Esaïe qui parle. Donc qui parlait par Esaïe? Dieu. Merci. Maintenant qui parle ici dans Apocalypse? C'est Dieu qui parle aussi. C'est Dieu qui parle. À travers Jésus. À travers Jésus. Oui. Donc qui était mort qui est revenu à la vie là. C'est Jésus, c'est pas Dieu. Ah. Dans le même verset, il y a Jésus dedans, il y a Dieu dedans. Mais c'est Dieu meurt. Non, allons doucement. Tu vas me comprendre. Mais c'est compris. Voilà, allons doucement. Jésus dit. Oui. Je suis le premier, je suis le dernier. Oui, j'étais mort. Allons doucement. J'étais mort, il est revenu à la vie, il vit pour l'éternité. Qui est mort pour quelle cause? Abakou 1. C'est ça, c'est la cause. C'est pas la cause qu'on cherche, hein. On va pas. Oui, mais non, je ne peux pas poser. Qui est mort là? C'est lui. Il est mort pourquoi? Non, c'est pas le pourquoi. C'est pas pourquoi là. C'est pas le pourquoi. C'est pas pourquoi là. Hein? C'est qui? Son funérail là, c'est pas qui? Qui est mort? Abakou 1:12. Depuis toujours. Depuis maintenant ta Bible. Non, mais ça veut savoir qui est mort d'abord avant de parler de pourquoi il est mort. Non. Pour la mort de Jésus. Juste alors, doucement. En fait, est-ce que Jésus est Dieu? Les gars, oh, comme toi là. Les gars, frère. Tu parles du pourquoi il est mort. Non, il n'est pas dans pourquoi il est j'ai mort. Je n'ai pas encore touché pourquoi il est mort. J'ai dit premier et dernier. Tu as dit qu'il est premier et le dernier. Jésus dit qu'il est premier, qu'il est le premier. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Attendez. Calme-toi, il va te donner le coup quand même. Là, je vais prendre le micro aussi. Attendez. Est-ce que tu peux prendre le micro? Il va prendre le micro. Abakou 1, verset 12. Oui. Depuis toujours. C'est oui. Toi qui es le Seigneur. C'est oui. Toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Et tu ne meurs pas. Qui était mort dans Apocalypse 1 là? Là, je ne sais pas, c'est à toi de le dire. On va donner non. Le coup. Est-ce que continue. Tu peux. Vas-y, s'il te plaît. Tu me demandes qui était mort dans Apocalypse 1. C'est Jésus. C'était pas Dieu. Hein? Mais Dieu, fait homme, venu mourir. Pour. Est-ce que c'était Dieu non. Ou pas? Tu essaies de mélanger les gens. Mais oui. Écoute-moi très bien. Je t'ai posé une simple question, tu as voulu t'y aller dans Abakou. Je t'ai donné deux passages d'Esaïe et trois passages d'Apocalypse. Et dans le passage là, Dieu dit dans Esaïe, je suis le premier, je suis le dernier. C'est pas ça? Yes. Maintenant dans Apocalypse là, Jésus dit que c'est moi là, Jésus là, qui était mort, qui suis revenu à la vie là. Je suis le premier, je suis le dernier. Je te demande qui parle. Je dis, c'est pas Jésus qui parle. Jésus parle. C'est pas Jésus qui parle. Maintenant écoute, je te lis le passage. Dans la Bible, c'est bien. Prends Apocalypse 1, verset 8. Écoute bien, tu vas voir qui parle. D'accord. Tu vas voir de qui il parle. D'accord.
Je répète encore, Apocalypse 1, 8, Bible CP1, lecture. Le Seigneur Dieu dit. Oui. Qui a dit? Le Seigneur Dieu dit. Est-ce que le mot Seigneur Dieu dit a dit est dans ta version? Non, c'est un manège, je t'ai demandé l'honnêteté. Dans ma version, c'est je suis le premier. Merci beaucoup. Mais le Seigneur Dieu dit là. Ah! Mais là, là, tu essaies de te calme-toi. Le Seigneur Dieu dit. Calme-toi. Oui, alors? Calme-toi. D'accord, alors? Calme down. Oui, alors, alors. Comme oui. Le Seigneur Dieu dit. Le Seigneur Dieu dit. Doucement. Doucement. Non. Je ne te parle pas. Je suis en train d'enseigner. Ah, d'accord, pardon. Oui. Quand quelqu'un dit, le Seigneur Dieu dit, il est en train de répéter les mots du Seigneur. Les mots du Seigneur, oui. C'est pas lui-même. Il n'est pas le premier. Mais Dieu dit. Je suis, oui. Je suis l'alpha, oui, et l'oméga, oui, le premier et le dernier, oui. Continue. Je suis celui qui est, oui, qui était, oui, et qui vient. Je suis le tout puissant. Y a quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est Apocalypse. On t'a dit d'être honnête. Est-ce qu'on est sorti pour aller dans le match? On est dans qui? Apocalypse. Les versets que j'ai donné, explique ça au public. Qui parle ici? C'est ce que moi je demande. Bon, d'accord. Le mot, écoute. On va s'expliquer. Doucement, frère. On va s'expliquer. On est là pour se comprendre. Il t'a demandé l'honnêteté. Il faut que tu sois honnête. Quand il te pose une question, Dieu répond. Tu m'as posé qui parle d'Isaïe? C'est Dieu qui parle à travers Isaïe. Il n'a pas Dieu dit, il est le premier et le dernier. N'est-ce pas? Jésus vient répéter les paroles de Dieu. Pour te dire que Jésus ne prend pas ça sur lui-même. C'est pourquoi il dit, le Seigneur Dieu dit. Ça veut dire, je répète les paroles du Seigneur. Quand Esaïe dit par exemple, je suis l'alpha et je suis le premier et le dernier. C'est dans le livre d'Esaïe, non? Est-ce que c'est Esaïe qui dit que lui il est le premier? Non. Quand Esaïe dit, je suis Dieu, en dehors de moi il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi. C'est Esaïe qui parle, non? Est-ce que c'est Esaïe qui est Dieu, nul n'est égal à lui? Il reprend les propos de Dieu. Il se fait comme Dieu, pourtant il n'est pas Dieu. Ça, c'est, on appelle ça le langage public des gens. Oui, oui. Maintenant, dans Apocalypse 1, 8, là, Jésus 18. Mais il faut écouter d'abord ce qu'il lui donne comme argument, après tu vas. On va perdre le temps. 1, 18. Ah, c'est perdre de temps. Ok. Faut lire 1, 18. Il y a trop de choses. Voilà. Parce que c'est pourquoi si il a lu, là, je peux expliquer. Voilà. Si il a lu, je peux expliquer. Ok, vas-y. Vas-y, 1, 18. Je suis le vivant. Oui. Oui. J'étais mort. Oui. Mais maintenant. Oui. Je suis vivant pour toujours. Oui. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde. D'accord. Frère. Est-ce que tu es sûr que tu as commencé? Parce que tu es tombé directement. Je suis le vivant. Je dis, je suis le premier, le dernier. Vite dans ce pays même. Qu'il est le premier et le dernier, vous dites. Okay. Il est le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Voilà. Ok. Et le vivant. Oui. Voilà. J'étais mort. Merci beaucoup. Et voici. Oui. Je suis vivant au sein des siècles. Oui. Je tiens le chef de la mort et du séjour de mort. Oui. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je veux comprendre. Qui était mort? Dieu ou Jésus? Jésus. Maintenant, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Dieu est venu mourir, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien. Dieu est venu mourir sous forme humaine. Est-ce que ça tu comprends? Dieu est venu mourir. Dieu est venu mourir sous forme humaine. Pour son peuple. Non, faut pas aller là-bas. Calme-toi. Parce que premier, il faut se calmer. Donc directement, Dieu est mort. Je ne vois pas de ça. Votre problème, c'est quoi? Non. Quand tu es agité là, on a l'impression que tu caches quelque chose. Ouais, je suis agité. Je demande simplement de te calmer. Quand tu donnes un verset, après on va donner des versets, non? Après ça, on sort, on va donner des versets, non? Quand tu donnes un verset là, nous on enseigne.
Pourquoi? Parce que c'est à toi seul on parle, frère. Merci beaucoup. Donc tu permets qu'on explique le 1.18 au moins. 1.18, voilà. C'est ce que j'ai en train de dire. Si c'est Dieu qui était là-bas, si c'est les paroles, si c'est Dieu dont toi tu parles là, alors que dans la même Bible. Non, je parle. Mais laisse qu'il passe la Bible par moi, mon frère. Donne le micro, il va finir. Non, pourquoi il va sauter ça comme ça? Non, il saute. S'il te plaît, donne le micro au modérateur. Moi-même, je vais lire le verset. Bon, faut. Apocalypse. Laisse. Allô, s'il te plaît. On se calme, d'accord? Vous avez donné un verset. Quand il dit le Dieu dont tu parles, le Dieu dont tu parles, là, c'est pas de ce même Dieu que lui il parle. C'est toi ton Dieu qui est mort, non? Donc il faut la précision. Donc laisse-le finir, quand il finit, tu réagis, d'accord? Je peux? Quand Jésus répète les mots, alors que tu sais bien, c'est pourquoi il a donné à Habakkuk un tous là. Pour calmer le jeu, pour te dire Dieu qui est mort là-bas, là, c'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1.12. Tu es Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Créateur de la mort vient mourir. Non. Celui qui est mort dans 1.18, là, c'est pas Dieu. S'il est Dieu pour toi, mais c'est pas un vrai Dieu parce qu'il meurt. C'est ce que j'ai en train d'expliquer. C'est pas Dieu, c'est Jésus pour vous. Parce que pour vous, il est mort. Moi, je ne crois pas que Jésus soit mort. Maintenant, si admettons que je vais dans ton sens, qu'il est mort. Mais c'est pas Dieu qui est mort. La Bible dit Dieu ne meurt pas. Maintenant, celui qui est mort, alors comment il va être Dieu alors que Dieu ne meurt pas? Maintenant, pour expliquer le mot, je suis le premier et le dernier. Tu es prophète. Tu dois savoir dans la Bible. Tu es prophète, hein? Prophète osé. Tu dois savoir dans la Bible. Effectivement, c'est pour vous. Voilà, tu dois savoir dans la Bible. Qu'il y a ce qu'on appelle les mots polysémiques. Et chaque mot polysémique, voilà pourquoi quand même quand tu as pris les deux versets d'Isaïe, ça t'a ramené dans Apocalypse, tu as reçu les mêmes récits. C'est-à-dire quoi? Si moi je veux faire comme toi par exemple, je vais dire Isaïe aussi, il est le premier et le dernier. Parce que ce mot-là a été employé par Isaïe. Et ce mot-là, quand il s'emploie par Jésus, ne te bloque pas, ne te focalise pas sur Jésus-là pour dire il est Dieu. Parce que la suite amène qu'il est une créature. J'étais mort. Voilà pourquoi moi je voulais lire Sourate 25, verset 58. Comme c'est pas les chrétiens seulement qui t'écoutent. On a des musulmans et des chrétiens, des non-musulmans qui nous écoutent. Ils vont réfléchir sur quelque chose. Tu as donné Apocalypse où c'est écrit j'étais mort. Maintenant moi je vais donner un verset du Coran pour les amener à comprendre quelque chose. Il y a qui? Laisse-moi lire le verset. Vas-y. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Non, faut pas lire vite. Vas-y, doucement. Parce que tu sais, de nos jours-là, quand on fait rupture comme ça, les oreilles ne sont pas bien attentives. Donc, doucement. Les gens vont comprendre ce à quoi nous on les invite. Oui. Voilà que eux vous invitent à adorer un Dieu qui était mort. Maintenant, voilà l'islam où ils demandent de faire quoi. Voilà. Vas-y. Et place ta confiance. Allah dit, l'islam dit, place ta confiance en le vivant. En le vivant qui ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. On n'a pas dit ressuscité. On n'a pas dit qu'il meurt. On n'a pas dit qu'il meurt pas. On dit qu'il ne meurt jamais. Parce que quoi? Voilà pourquoi le verset commence par place ta confiance. Si toi tu mets ta confiance à quelqu'un qui est mort, celui qui meurt, t'es foutu. Si toi-même t'as un problème là, celui qui doit résoudre ça, il meurt. C'est comme un fétiche, il a son fétiche qui est là, le feu arrive, il se lève son fétiche et puis il court. Ah, c'est le fétiche qui doit t'aider. Je dois t'aider. Donc voilà la différence entre le Dieu que lui il adore et le Dieu que nous vous invitons à adorer. Nous, notre Dieu là, il ne meurt jamais. Eux, les dieux pour eux que Jésus est mort. Voilà où il y a problème. Donc quand il était mort là-haut, qui était le propriétaire du monde? Qui gouvernait ce monde? C'est ce qu'on dit. Donc faut pas attribuer ça à Dieu. Faut pas attribuer cette personne là à Dieu faisant passer par Jésus. Non, faut pas faire ça. Soit tu acceptes que Jésus est mort et tu reconnais que Dieu ne meurt pas. Là, on débat dessus. Parce que le premier et le dernier, c'est un mot polysémique. Et ça, c'est en théologie, on apprend ça. Il y a plein de versets comme ça dans la Bible où des anges ont été appelés Dieu. Dieu dans la Bible, c'est un mot polysémique aussi. Ça, là, c'est à l'école, en fait, avant d'être prophète. Mais vous venez, tu te focalises sur le mot. Tu te focalises sur le mot. Je dis non, premier et dernier, là. Esaïe a dit non. Pourquoi tu ne dis pas que Esaïe est Dieu? Je peux aller maintenant. Je viens. Quand c'est dans l'Apocalypse, pourquoi? D'abord, regarde bien. Avant de comprendre Apocalypse 2.18, 1.28 ou bien quoi que ce soit, Apocalypse 1, verset 1, lisez ça pour moi. L'introduction d'Apocalypse, qu'est-ce que Apocalypse nous dit? Vas-y. Révélation de Jésus-Christ. Écoutez bien. L'Apocalypse commence, quand tu ouvres le livre, le premier verset que tu croises dans Apocalypse, ça commence par quoi? Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ.
que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Qui a donné à qui? L'Apocalypse, toute la série de lui là, c'est une révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Comment ce Dieu là, comment Jésus peut être Dieu encore? C'est une révélation que Dieu a donnée à Jésus. Donc tout ce que tu vas voir dans l'Apocalypse là, à jamais tu vas voir que Jésus est Dieu là-bas. Tu sais que c'est une contradiction. Maintenant, sors d'Apocalypse, venons sur terrain. Allons maintenant sur terrain maintenant. Je peux maintenant. Peu. Vous savez, je suis quitté jusqu'à Carrefour en gris. Hein? Ah, là, c'est que tu es quitté loin. Donc, allons en profondeur. Peut-être aux yeux des autres, là. Je suis nouveau. Hein. Sinon, avec vous, je ne suis pas nouveau. Il n'y a aucun souci. On a eu au moins deux fois les échanges. Et ça s'est bien passé. Voilà. Donc, je vais juste m'exprimer sur mes. Allons-y, allons-y. Quand nous avons débuté, là, vous avez dit, pas par révélation, mais dans les Écritures. Et je suis entré dans les Écritures. Voilà. Il y a pas de la gêne, le directeur, donc on venait. Voilà, c'est bon. Donc, dans les Écritures, là, premier verset seulement qui est sorti de la bouche de Jésus, là, ça là, vous avez tout mis. Vous ne pouvez pas toucher. Et même vous essayez de toucher, mais vous sautez, vous coupez en deux, vous tombez en bas. Quel est ce verset? Vous ne pouvez pas commencer pour terminer. C'est quel verset? Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. On dit, c'est pas Jésus qui dit, il parle sur le contrôle de Dieu. Mais toi, tu dis, c'est pas Jésus qui dit, là. On te dit, dans Apocalypse 1, 18, là, c'est écrit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Uh-huh. Tu comprends? Uh-huh. J'étais mort. Apocalypse 1, 18. C'est Dieu qui parle par Jésus. Ça veut dire, Dieu était mort. Apocalypse 1, 18, c'est ce que tu as dit. Non, mais je t'ai dit, c'est Jésus qui parle. Tu dis, c'est pas Jésus, c'est Dieu. Attends, Dieu était mort, oui ou non? Attends. Tu m'as posé la question, non? Oui, il est mort. Dieu n'était pas mort. Dieu n'était pas mort. Donc, qui parle ici maintenant? Jésus parle, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Non. Donc, qui parle? Jésus parle. Mais tout à l'heure, tu disais, c'est pas Jésus, c'est doucement. Jésus. Doucement. Tu sais, quand il dit Jésus, écoute-moi. C'est Jésus qui parle. Quand il dit Jésus parle là, il parle sous le contrôle de Dieu. Sous le contrôle de Dieu, ça veut dire. Oui, ça veut dire. Les paroles que vous entendez n'est pas de moi. Oui. Mais. Complètement. Mais du Père. La parole que vous entendez, n'est pas de moi, voilà. Mais du Père qui m'a. Maintenant c'est simple. Par rapport à ça là, je te pose une simple question. Qui parle ici? Mais oh, attends, toi ce que moi expliqué, tu n'as pas compris. Non, alors d'accord. Bon, alors doucement. Révisons dans les Esaïe. Doucement. Il y a pas de choses. Écoute. Prophète Osée. Prophète Osée. Est-ce que on se comprend? On va finir ce verset là, on va avancer. Tu vas arrêter de faire semblant comme si tu ne comprends pas. On dit, est-ce que ce qui est répété dans Esaïe là? Je suis le premier et le dernier qui parle là-bas. Là-bas, c'est Dieu qui parle. Non, c'est Esaïe. Non, c'est Esaïe. Je t'ai dit, c'est Dieu qui parle. Pourquoi tu dis c'est Dieu qui parle? Pourquoi toi tu dis c'est Esaïe? Parce que c'est sorti de la bouche d'Esaïe, c'est dans Esaïe. Parce que c'est sorti de la bouche d'Esaïe. C'est dans Esaïe. Parce que c'est Esaïe, c'est un prophète. Et moi, je reconnais qu'Esaïe est un prophète. Ah bon? Tu comprends ça? Maintenant, pourquoi toi, je suis le premier? Toi, tu m'as demandé à Jésus, à qui c'est dit Jésus est prophète? Esaïe, c'est un prophète. Alors, Jésus, prophète parle, Jésus parle, tu me dis. Je veux savoir, est-ce que Esaïe, c'est un prophète? Esaïe, c'est un prophète. Pourquoi il dit le premier et le dernier? C'est lui qui a dit. Qui a dit? C'est lui qui a dit. Qui a dit? Pourquoi va-t-il laisser la Pourquoi c'est Esaïe qui a parlé à travers Esaïe? Maintenant, pourquoi pour Jésus là? Pourquoi pour Jésus là? Attends, donc, attends, le premier et le dernier. Moi, j'ai dit, c'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui a parlé. Tu comprends pas ça? D'accord. Pour Esaïe là, attends, pour Esaïe là, c'est pas Esaïe qui a parlé. Le premier et le dernier qui était dans Esaïe là. Esaïe va dire qu'Esaïe est Dieu. Est-ce que tu me coupes? Mais laisse-moi, on va. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Puisque quand Esaïe prononce le mot là. Tu ne sais pas expliquer ça aux gens. C'est tout. Je t'ai dit là-bas, c'est Esaïe qui a parlé, mais Dieu parle à travers Esaïe. Esaïe, c'est un prophète car. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Là, on est d'accord. C'est pas ça. Maintenant, on te dit dans le Nouveau Testament là. C'est Dieu qui parle. Et ce Dieu là, c'est Jésus. Tu as demandé un verset. Alors qu'on n'avait pas encore compris, expliquer Esaïe pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Il faut écouter. On s'est dit là-bas, c'est Dieu qui a parlé. Il faut te calmer simplement. Moi, je suis venu vous écouter. Je n'ai pas le droit de parler. On n'a pas dit ça. Tout à l'heure, il y a plus de 15 minutes. On est en train d'échanger en disant, quand Esaïe parle, nous tous, nous sommes unanimes que c'est Esaïe qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers Esaïe. Merci. Donc les propos qui sortent de la bouche d'Esaïe là, c'est vrai, c'est la bouche d'Esaïe qu'on voit parler, voilà. Mais c'est, il répète les propos de Dieu. Merci. On est d'accord, non? Oui, là on est d'accord, on a dépassé. On est d'accord? Oui. Quand Jésus dit oui. Dans Apocalypse 1, 8, oui. C'est vrai que tu as pris 18, je te ramène à 1, 8. Tu as pris 18, l'enseignement s'explique par tous les versets bibliques. Tu as pris 1, 18, tu dis le premier et le dernier était mort, je te le concède. Le 1-8 dit quoi? Bible CPN. Lisez-moi. Relisez. On va voir ce que Jésus a dit. On va avancer. Mais tu veux qu'on avance, non? Et puis tu es toujours dessus. C'est que toi tu as arrêté. Mais si tu as 1-8, 1-18, tu m'emmènes dans 1-8.
Selon, regarde, la Bible jusqu'en bas là,
ils te disent que c'est un ajout de l'église catholique. Puisque c'est un ajout de l'église catholique, ça n'a jamais existé, c'est eux-mêmes qui sont venus ajouter ça. Mais ils t'expliquent maintenant comment ça fonctionne. On dit, quand tu rentres dans l'Apocalypse, là, le premier chapitre de l'Apocalypse doit t'amener à comprendre tout le chapitre de l'Apocalypse. Parce que le premier chapitre te dit que c'est une révélation. Donc on n'est même pas dans quelque chose qui est réel, on est dans quelque chose qui est révélationnel. Donc quand dans la chose révélationnelle, là, c'est Dieu qui a donné une révélation à Jésus, que Jean est en train de transmettre aux gens. Donc, doucement. Comme on est dans la révélation, et Dieu est en train de transmettre une révélation de Jésus, là, il y a des mots polysémiques qui sont appropriés, qui doivent être décortiqués à la lumière des autres versets. Donc quand tu vois, je suis le premier et le dernier, tu dois savoir, il faut comprendre que c'est un mot polysémique. Voilà pourquoi, pour montrer la différence entre pour lui et pour Dieu, ils ont mis en bas, j'étais mort. Dieu ne meurt pas. Premier et dernier, maintenant, c'est pour qui? C'est à qui maintenant? Attends. Tu parles de polysémie, tu ne dois pas dire cela. Quand parle de mort, c'est Jésus. Frère, c'est premier et dernier, frère, là, c'est pour qui? Frère. Donc, en haut, là, c'est pour Dieu. Tu en dis, bas, là, c'est pour Jésus. Tu dis que tu es venu. Tu dis qu'on a senti sur Facebook, non? Je te regarde droit dans les yeux, tu ne peux jamais me prouver que Jésus est jusqu'à la fin de ta vie. Je suis présent. Tu ne pourras jamais accepter, mais je ne vais pas te prouver. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas accepter ça. Allons à ça alors. Donc ça, c'est un débat inutile. C'est pas inutile, là, tu es là pour ça. Tout à l'heure, là, tu ne vas pas fuir ça là. C'est pour ça que tu t'es déplacé, non? Moi, fille, tu dis, tu dis sur Facebook, il y a menti que Jésus était Dieu, non? Sur Facebook, écoute-moi très bien. Moi, je dis ça partout. Écoute-moi bien. Je suis présent. Je dis, Apocalypse 1, verset 18. Depuis là, ça fait une heure du temps, on est dessus. Attends, j'attends les gens qui perdent le temps. Si on peut prendre quelqu'un d'autre. Comme tu t'es dépassé. Allons à l'essentiel. Donc, tu as déjà répondu dans un 18. Allons maintenant dans la divinité de Christ que tu toques. Je ne suis pas venu faire un débat de divinité. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Je te dis, tu as posé. Tu n'es pas venu pour ça, on prend quelqu'un d'autre. Parce que tu crois qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Et je prouve qu'il n'est pas Dieu. Et jusqu'à la fin de tes jours, tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça que tu es venu. En fait, c'est pour ça que tu es venu. Mais tu as peur en fait. Écoute, en fait, tu as peur, tu sais. Programmer ça. Programmer, il n'y a pas de programme. Voilà, merci. Allons-y. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi je suis venu? Parce qu'il y a beaucoup de trucs que vous avez parlé sur Facebook. Donc, j'ai rassemblé ça et je suis venu. Non, alors, c'est ça. Cette histoire de. Je t'envoie dans Apocalypse 1. Faut donner tout ce que tu as rassemblé. C'est quand tu fais là. C'est quand tu fais là, tout le monde peut faire ça. Moi, là, je vous ai. Parce que c'est nous. Écoute-moi, nous, on n'a jamais écouté. C'est toi qui nous écoutes. C'est toi qui viens de même Marie à qui j'ai dit. Marie et puis les gens crient là. C'est pas moi. Hein. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on touche ça? Tu le connais. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on touche? En fait, mon frère, écoute-moi bien. Tu sais quoi? Quoi? Ça dit quoi? Tu dis pour le côté. Écoute. Écoute-moi. S'il te plaît. En fait, tu te vends de ce que tu n'es pas. Tu es arrêté en face de moi. Il y a des frappés, il y a des tuyaux. On est là. Mais allons-y. Allons à l'essentiel. Montre-nous quand on s'est trompé. Monte. On attend. On t'attend. Tu as payé le transport pour venir, ne pas aller là. Alors, échangeons la vie jusqu'à la fin de mes jours. Là, toi, tu ne pourras jamais accepter ça. Donc, à quoi parle de faire de temps? Il y a d'autres choses à parler. Mais on t'attend maintenant. Allons-y. Voilà, merci. Ah, d'accord, ok. D'accord. Tu es bien sur le ring. Tu dis, tiens, le vas-y, il est là. Moi. Toi-même, viens t'arrêter si je suis traumatisé. Attends, tu joues le match avec le public maintenant. S'il vous plaît. C'est un ami à nous. Voilà, on soyez patient, les frères. On n'est pas d'accord sur le ring ici, mais après ça, on reste des frères. Voilà. Donc, soyez patient. Il y a une chose qui est sûre. Allah, il a dit que la vérité se trouve en islam et soyez patient. Allons-y. D'accord, selon l'islam, il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Oui, selon l'islam, il y a un seul Dieu, selon la Bible également. Voilà, et nous sommes parfaitement d'accord avec. D'accord. Donc, selon l'islam, Jésus-Christ est un prophète, n'est-ce pas? Selon l'islam, selon la Bible, Jésus est un prophète. Selon l'islam, Jésus-Christ est un prophète, n'est-ce pas? J'ai bien répondu. Voilà. D'accord. Maintenant, selon l'islam, Muhammad est un prophète, n'est-ce pas? Il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. D'accord. Ok, maintenant, ma question c'est de savoir. Nous allons lire quelques versets du Coran. Inch'Allah. Voilà. Et à partir de là, voir, n'est-ce pas? S'il vous plaît. S'il vous plaît. À partir de là, nous allons comprendre le paradis. D'accord. Que Jésus a enseigné et le paradis que Mohammed a enseigné. D'accord. Et nous allons comprendre est-ce que réellement il s'agit du même paradis. Parce que si c'est le même Dieu qui a envoyé ces deux personnes-là,
Ça veut dire que Dieu ne peut pas se contredire. Donc Dieu ne peut pas donner une description du paradis à l'un et puis se contredire en envoyant l'autre. Donc à partir de là, nous allons comprendre entre Jésus et Mohammed qui est réellement envoyé par le véritable Dieu. Donc là, allons, prenons. La sourate 38. Sourate 118, le verset 31. Sourate 118, le verset 31 au verset 33. 78, hein? Oui. Pour les pieux, oui. Ce sera une réussite. Oui. Jardin et vigne et de belles au sein arrondi, oui. D'une égale jeunesse, oui. Et coupe débordante. Verset 33, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Donc, prends maintenant sur Acte 44, le verset 54. C'est ainsi. Oui. Et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ça, c'est où ça? Au paradis, hein? Oui. C'est bon? Alors, sur Acte 52, le verset 20. Je suis pas dépressé, hein. Doucement. Prends ton temps en patience. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. En récompense de ce que vous faisiez, oui. Mangez et buvez en toute sérénité. Accoudez sur des lits bien rangés. Et nous leur ferons épouser des rues aux grands yeux noirs. Aux grands yeux noirs, oui. D'accord. Sourate 55, le verset 56. Si vous avez du mal à entendre vous-même la parole qui sort de votre propre livre, c'est que là, c'est un problème. Hein? Oui. Excuse, prophète. Pardon, il faut laisser le public avant, okay. Les Sourate 55, verset 56. Ils y trouveront les souris au regard, oui. Chaste. Oui. Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défouré. Voilà maintenant le dernier verset. Le verset 36. Et le chapitre 36, du moins, le verset 55. Chapitre 36, verset 55. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Je continue. Non, ça va. Vous n'avez pas compris, il faut répéter. S'il vous plaît. Doucement dans le public, nous sommes là pour ça. S'il vous plaît. Doucement dans le public de grâce. Soyez patients. Écoutons le frère, le pasteur, le prophète nous conduit quelque part. Rapidement, c'est quel verset? Non, le chapitre 36, le verset 55. 36, 55. Allons-y, dis-moi là. Je cite. Les gens du paradis seront, mm-hmm, ces jours-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Non. Voilà. Merci. Non, ça va. Maintenant, Matthieu 22. Le verset 23 au verset 30. Laisse-le, s'il vous plaît. Matthieu 22. Étonné de ce qu'il entendait. Oui, d'accord. Étonné de ce qu'ils entendaient, oui. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Continuez la lecture, s'il vous plaît. Continuez. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit,
Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça veut dire dans le paradis. D'accord. Donc, ce que je voulais poser comme question ici, vous avez vu, il a lu au moins une série de versets. C'est très simple. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant qu'il ne lise? J'ai dit qu'il y a un seul Dieu. Donc ce Dieu-là, selon les musulmans, Jésus est un prophète, n'est-ce pas, envoyé de ce Dieu-là. Maintenant, ce Dieu-là a aussi envoyé un autre prophète, qu'on appelle Muhammad, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, les deux prophètes se concrétisent à quelque part au sujet du paradis. On est d'accord? Le prophète Muhammad, d'après les versets coraniques que nous venons de lire, ce prophète-là a dit que dans le paradis, là, ceux qui seront dans le paradis, chacun de vous, n'est-ce pas, de ceux qui seront dans le paradis, vont avoir une femme, n'est-ce pas? Et il a même précisé, il a même décrit un peu leur teint, leurs yeux, tout ça. Et ça, c'est le message que Dieu a donné à son prophète. Or, quand nous lisons ici la Bible qu'il vient de lire, Jésus dit dans le paradis, là, on ne va pas du moins avoir de femmes, mais on sera comme des anges. Donc ma question est de savoir, d'après ces deux descriptions du paradis, est-ce que c'est le même Dieu-là qui a envoyé ces deux-là? Merci beaucoup, comment t'as écouté de façon sage. Mais moi je vais laisser le soin à mon petit, voir s'il a compris la leçon que je lui ai donnée sur ce sujet-là. Merci. Vous voyez que, comme le Père a donné le feu vert, j'ai oublié d'aller. Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit, avant de répondre à la question, je vais lancer un appel. De grâce, filmez le bien. Pardonnez tous les fidèles qui se mettent à genoux en bas de ce tombe. Il est prophète et puis il prie pour vous. Vous êtes perdus. Et je vais le démontrer que vous êtes perdus. Mon frère, quand tu parlais là, je me suis tué. Non, mais tu ne vas pas t'adresser à la personne. C'est mon forum, donc je parle, je dis ce qui est bon. Écoute, tu es un prophète. Tu es un prophète. Regarde bien. Écoute, mon frère. Tu es un prophète. Il faut assumer. Tu es un prophète. Normalement, tu dois accepter. Même si tu es des traits de tout le nom, mais tu es prophète, tu acceptes. Mais regarde une chose. Je vais montrer que tu n'es pas un prophète. Et tu ne seras jamais un prophète. Relis-moi le même verset de la Bible que tu as pris. Pardon, faut relire, pardon. Tu ne peux pas lire. Wallahi, tu ne peux pas lire. Au nom d'Allah, si tu lis, tu tombes dans la honte. Lis. Demande à tes frères de lire. Ils vont lire. Parce que toi, tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas lire. Allons-y. Relis-moi son livre de Matthieu qu'il a pris. Vous allez voir un peu la malice. Et ça, c'est venu des Cacouins. Les disciples de Cacou Philippe avaient l'habitude d'utiliser ce verset-là pour montrer que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit au paradis, on aura des femmes. Et que Jésus aussi a dit, pour lui là, il n'y a pas de femme. Donc quand on voit, on dit qu'il y a contradiction. Comment Jésus va dire dans son paradis, il n'y a pas de femme, Mohamed dit dans son paradis, il y a femme. Or, c'est un piège qu'ils vous ont tendu. Ils ont caché, Allah dit, ceux qui cachent sciemment la vérité, ils font exprès, ils cachent la vérité, et ils te donnent le faux, et puis ta foi bascule, tu es dans l'ambiguïté totale. Pourquoi? Parce que tu n'es pas averti. Il faut faire attention. Il y a des qui ne connaissent pas la Bible. Quelqu'un qui connaît la Bible, fait attention à chaque mot. Et le Saint-Esprit devait l'amener à comprendre que tu es en face des semaines là, il ne faut pas te tromper. Maintenant, regardez où le Saint-Esprit l'a abandonné. Ah, lis le verset. Mon frère, calme-toi. On va voir si c'est pour rien. Calme-toi. Tu dis, tu ne lis pas, non. Laisse, ils vont lire. Donne le verset, ils vont trouver. Alors, Matthieu 22, 23. Allons-y, vite. Le même jour. Oui. Les Sadduciens. Allons au verset 24 et suite. Allons rapidement. Maître Moïse a dit, oui. Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Ok, vas-y. Or, il n'y avait parmi nous sept frères. Voilà les frères qui sont venus voir Jésus. Ils disent, on a parmi nous sept frères qui ont connu une seule femme. Vas-y. Le premier se maria et mourut. Le premier a marié la femme, il est mort. Vas-y. Et comme il n'avait pas d'enfant, comme il n'a pas eu d'enfant avec la femme, il laissa sa femme à son frère. Il a laissé sa femme à son frère.
Il en fut de même du second. Son frère aussi a marié la femme. Puis du troisième. Il n'a pas eu enfant, il est mort. Le troisième aussi est venu. Jusqu'au septième. Jusqu'au septième. Chacun d'eux a connu la femme, mais elle n'a pas eu d'enfant. Ils sont morts. Après eux tous, la femme mourut aussi. Après aussi, la femme aussi, elle-même, elle est morte. À la résurrection. Voilà la partie du film. À la résurrection. Le pasteur dit, je suis allé au paradis. Prophète, c'est à la résurrection. Salut, il est en train d'expliquer maintenant. Si la honte va tuer. Vas-y, continue le verset. Laisse-toi parler. Mais reste serein seulement. Reste serein. Quand il parlait, nous on était serein. Parce qu'on savait où tu partais. Mais reste serein. C'est à la résurrection. À la résurrection. Duquel des sept frères sera-t-elle donc la femme? Vas-y. Car tous l'ont eu. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que. Parce que. Vous ne comprenez ni les Écritures. Je ne comprends pas les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection. Parce que à la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes à la résurrection. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme. Ils seront comme. Les anges de Dieu dans le ciel. Maintenant, dans le verset que tu as pris du Coran là. Doucement. Hé. Oh, attendez. Hé, quoi? Mais qu'est-ce que tu as? On a dit doucement. Les anges de Dieu dans le ciel. Doucement. On peut parler. On peut parler. En fait, ne sois pas agité. Quand c'est comme ça, tu donnes l'impression que tu caches quelque chose. Quand tu parlais, on t'a écouté. Hein? On t'a laissé venir. Tu es venu, non? On a récupéré. On est en train d'expliquer. Tu as dit à la résurrection. Ou bien au paradis. Ou bien c'est au paradis qui écrit, mais c'est à la résurrection. Toi, tu as dit au quand paradis. Tu veux ruser. Tu veux ruser devant moi. Tu as dit au paradis, mais la résurrection. Tu as dit au paradis. Quand il a lu le verset là. Tu as dit au paradis. Micro, c'est au paradis, mais c'est à la résurrection. Écoute-moi. Il a dit, vous serez comme des anges dans le royaume. C'est où, dans le royaume de Dieu là, c'est où? C'est où? Dans le ciel. Ils n'ont pas dit dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas dit dans le royaume de Dieu. C'est dans le ciel. C'est pas ce qui est écrit. Faut relire le verset. Car à la résurrection. Car à la résurrection. Les hommes ne prendront point de femme. Alors c'est de ça que tu parles. Quand tu dis de la résurrection, toi t'as dit paradis. Il continue le verset. Avant de continuer, avant on te continue. Avant de continuer. Là, il a très créé le dessin. Regardez. En fait, fais ça pour ne même pas que vous compreniez. Tu as dit, c'est de la malice. Voilà, tu as dit que c'était au paradis. Alors que dans le verset, Jésus parle du jour de la résurrection. Et dans le Coran, le jour de la résurrection, personne ne prend de femme. C'est au paradis qui est différent de la résurrection que l'homme va jouir des bienfaits de Dieu. Parce que tu t'es privé en tant qu'être humain sur terre des choses. Si tu dois aller au paradis, mais si tu dois vivre au paradis, les choses que tu t'es privé de ça ici là, tu dois retrouver ça là-bas. C'est normal. Regarde, dans la Bible, je te mets au défi jusqu'à ta mort. Il n'y a pas un verset qui décrit le paradis dans la Bible. C'est le Coran qui vient te dire ce qui t'attend au paradis. Si tu sais, c'est faux, donne le verset. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui te dit comment est le paradis. Le Coran vient t'expliquer comment est le paradis. Si tu as pris le royaume de Dieu. Surat 47, verset 15. Surat 47, verset 15. Maintenant, le Coran t'explique ce que c'est que le paradis. Voilà, rapide. 47-15. Écoutez bien ce que le Coran dit. Écoutez bien. Vas-y. Voici la description du paradis. Voici la description du paradis. Soyez fiers de Très bien, doucement. Calme-toi. J'ai dit calme-toi. C'est moi qui ai lancé le défi, non? C'est moi qui t'ai mis le défi, non? Il a dit, il n'y a aucun verset de la Bible qui décrit le paradis. 47-15. Calme-toi. Voici la description du paradis. On dit, voici le verset. Voici la description du paradis. Qui a été promis au pieux. Maintenant, je veux... Regardez, le verset commence par, voici la description du paradis. C'est le Coran qui décrit le paradis. Ouvre la Bible, montre-moi la description du paradis dans la Bible. Vas-y. Vas-y. Apocalypse. Personne ne va lire pour toi, pas même lire. Tu as dit tu lis pas pour nous, donc vas-y. Vas-y, tu as Apocalypse, prends. Apocalypse 21. Non, il a demandé un verset, non. Je vais lui donner un chapitre.
En tout cas, décris-nous le paradis. Ouais, d'accord. Elle le dit, je ne connais pas. Allons-y, il y en a un peu. Allons-y. Apocalypse 21, oui. À partir du verset 1. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Ou bien alors, allons. Puis je vis un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, oui. Et la mer n'était plus, oui. Et je vis. Et écoutez-moi, et je vis descendre du ciel. Vous pouvez dire ça, hein? De près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône d'une voix forte, d'une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, oui. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il va essuyer toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Il n'aura plus de deuil. Ni de cri. Ni de douleur. Ni de douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône. Voici. Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit. Écrit. Car ces paroles sont telles et véritables. Oui. Et il me dit. C'est fait. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif. À celui qui a soif. Je lui donnerai une soupe. Merci. Non, ça va. C'est ça qui est ça. Ouais, paradis. Là. Attends. Vont nous respecter. Ouais, alors, relis le verset du Coran, pardon. Non, c'est le paradis qui est là. C'est la description du paradis qui est là. On te demande ce pour voir. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, pasteur. Laisse faire les caméras. Fais écouter. Je suis en train de donner même un paragraphe. Faut être un peu sérieux. Fais écouter. Il a dit quoi? Je vais répondre. Où Dieu va habiter avec son peuple? Là-bas, il n'y a pas la mort. C'est où? Est-ce que je peux répondre? Très bien, mon frère. Voilà, il te dit que tu ne mérites pas d'être un prophète. Il va se réjouir avec son peuple. Doucement, faut plus crier. Réponds maintenant. Regarde bien. Ne sois pas agité. Faut pas être agité. Calme-toi. Prophète, le mot paradis. Écoute. Pourquoi chaque fois quand tu as la parole, tu es agité? On est serré, on t'écoute. C'est l'échange fraternel. Quand tu fais comme ça, tu caches quoi? Tu as parlé, on t'a écouté. On est en train de parler, tu n'as pas tes cœurs. Hein, frère? S'il te plaît. Hein? Quand quelqu'un finit de lire au moins, s'il te plaît. Il explique quand même ce qu'il a dit. Quand j'ai fini de lire, vous attaquez. Non, on a demandé un verset qui décrit le paradis. Tu as donné, tu dis c'est ça. Maintenant, moi, je dois répliquer pour te montrer que ce n'est pas ça. Parce que, regarde, la première des choses, regarde, le mot paradis existe dans l'Ancien Testament dans trois passages seulement. Dans le Nouveau Testament, plus ou moins, trois passages. C'est trois passages seulement qui parlent du paradis dans le Nouveau Testament. Ça ne décrit pas le paradis. Ça parle, mais ça ne décrit pas. Jésus a dit sur la croix, tu seras au paradis avec moi. Sans décrit. Maintenant, moi je t'ai demandé, parce que tu as pris le verset là-bas, regarde ce que tu as fait. Tu as pris un verset qui parle du jour de la résurrection, qui est différent du paradis. Tu as dit non, le jour de la résurrection qui fait. Jésus a dit que non, c'est le paradis. Et que le prophète Mohammed a dit on prend femme dans le paradis des musulmans, alors que Jésus a dit ici, on ne prend pas femme. Je t'ai amené à comprendre que ce n'est pas paradis qui est employé là-bas. Là-bas, là, c'est employé jour de la résurrection, à la résurrection. À la résurrection, c'est un jour, c'est un moment où chacun va ressusciter et aller comparaître devant Dieu. Arrivé là-bas maintenant, on te juge, soit tu vas en enfer ou au paradis. Donc, déjà là, avant d'aller au paradis là, il faut le jour de la résurrection d'abord. Le jour de la résurrection, c'est un jour où tu vas, on regarde les péchés, soit on t'envoie en enfer, ou bien on t'envoie au paradis. Ça, c'est le jour de la résurrection. Maintenant, si on t'envoie au paradis là, ce qui t'a. Faut écouter ce qu'il dit. Il y a le jour de la résurrection, c'est quoi? Où tout le monde va ressusciter. Voilà pourquoi on appelle le jour de. On dit que on va expliquer. En fait, c'est comme ça, il faut. Pour essaie de récapituler pour que tu comprennes. J'essaie de récapituler tout pour que les gens soient situés. Regarde, le jour de la résurrection 1.
à la résurrection, c'est un moment où tout le monde va ressusciter. Écoute bien, tout le monde va ressusciter, même les morts vont ressusciter. Et on va aller comparaître au tribunal de Dieu. Arriver devant Dieu maintenant, il y a d'autres qui iront en enfer et d'autres iront au paradis. Ça, quand tu es au paradis, tu n'es plus au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est une étape à franchir avant d'aller au paradis ou en enfer. Toi, tu as confondu tout. Tu as vu résurrection, tu as dit c'est paradis. Oh, c'est pas paradis. Il faut reconnaître que là, je me suis trompé, c'est pas paradis. Maintenant, il t'a demandé, voici la description du paradis dans le Coran. C'est le seul livre qui décrit le paradis aux croyants. Voilà, je vais lire le verset. Nouvelle Jérusalem, c'est là. Laisse-moi... Il faut expliquer Apocalypse 20. Paradis, là, ça va, Jérusalem. Voici la description du paradis. C'est quand il voulait, là. Tout homme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection. Tout homme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection. Que vous recevrez votre entière rétribution. Première étape, Allah dit tout homme goûtera la mort. La première étape, c'est la mort. Deuxième étape, quoi? Et c'est au jour du jugement. Mais c'est seulement au jour de la résurrection. C'est au jour de la résurrection maintenant que vous recevrez votre entière rétribution. Et chacun va avoir sa rétribution. Soit un va au paradis ou l'autre va en enfer. Donc le jour de la résurrection n'a rien à voir avec le paradis. Vieux père, il ne faut pas comprendre ça. Parce qu'il a vu la vérité, il veut bonne. Mais là, il a dit, donne-moi un verset qui parle du paradis dans la Bible. Regardez bien. Le Coran commence par quoi? Voici la description du paradis. Continue. Qui a été promis aux pieux. Vous voulez un livre sérieux? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Ils trouveront, vas-y. Il n'y aura là des ruisseaux d'eau jamais malodorante. Maintenant, Allah te décrit le paradis. Ce qu'il va avoir, il aura tant, il aura ceci, il aura les filles, il aura ceci, il aura cela. Ça, c'est normal. Maintenant, il te dit, donne-moi un verset. Tu prends le paragraphe, la nouvelle Jérusalem, ce n'est jamais l'Europe, ce n'est jamais paradis. Ce n'est jamais le paradis. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem? Parce que, écoute, il t'explique. Mais écoute-moi maintenant t'expliquer ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Parce que la première Jérusalem, là, ce qu'on appelle la première Jérusalem, là, d'abord, c'est le peuple que Dieu a aimé dans la Bible. Le peuple de Jérusalem était le peuple que Dieu a aimé. Voilà pourquoi il avait sorti de Jérusalem un prophète qui est venu quoi, manifester sa volonté sur la terre. Qui est qui? Jésus. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume n'est pas de ce monde-là, son royaume est où? Jésus dit dans Matthieu 29, verset 19, il dit, vous les 12 qui m'avez suivi, là, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Alors que Jésus est venu à l'accomplissement de la nouvelle alliance pour réconcilier les deux maisons d'Israël, capitale première Samarie, deuxième Jérusalem. C'est ça qu'on appelle la première Jérusalem. La deuxième Jérusalem, là, c'est une Jérusalem céleste. C'est-à-dire quoi? Les enfants d'Israël vont se retrouver dans la vie heureuse. Ça n'a rien à voir avec paradis. Parce que nous, là, on est Ivoiriens, on fait comme dans Jérusalem. C'est ce que tu ne connais pas. Maintenant, il a dit, il y a trois versets qui parlent du paradis dans la Bible. Où le mot paradis est décrit. Il y a trois versets dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau plutôt. Ça ne parle pas de la description. Ça dit le mot paradis, mais ça ne décrit pas. C'est le Coran qui décrit. Ça, on met ça à côté. Mais reconnais que tout ce que tu as lu dans les versets du Coran, et que tu as pris Matthieu pour venir montrer que c'est le jour de paix, c'est le paradis là. Reconnais que tu t'es trompé, on parle du jour de la résurrection. On t'a demandé sincérité où? Et on est aidé. Maintenant, il était pas la question, hein. Ils ont dit paradis, ou bien le jour de la résurrection. En voici le honnête ou pas. Voilà, c'est là, il veut que tu sois. Il est presque 22h. Alors, c'est lisez. Verset 30 ans. C'est fini. Lisez. Verset 30 ans seulement. Va lire le verset sans problème. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais attends, dans le ciel là, c'est paradis. Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel, c'est paradis. Prends micro, non, l'enfer est où? Explique-nous, l'enfer c'est où? Si le ciel c'est paradis, l'enfer c'est où? Tiens, laisse-moi y parler. Parle, l'enfer c'est où? L'enfer c'est où?
Tout à l'heure, tu as sauté. Tu as dit que toi, il n'y a pas un verset dans la Bible qui définit. J'ai dit l'enfer, c'est où d'être? Prends le micro là maintenant. Faut parler dans le micro. L'enfer c'est où? Tu as demandé quelque chose. On te parle, tu sais maintenant. Ah, c'est l'enfer, c'est où? Tu as dit que le paradis c'est le ciel. L'enfer c'est où maintenant? Il n'a pas la réponse en fait. Quand tu dis l'enfer c'est où? Tu veux parler de quoi? Tu dis, il sera comme des anges. Tu dis, il sera comme des anges dans le ciel. Qu'est-ce que c'est paradis? Si le ciel c'est un paradis, l'enfer c'est où? Donc écoutez, quand on dit royaume des cieux, quand on dit royaume des cieux, ils n'ont pas dit royaume des cieux, ils ont dit le ciel. Et on dit dans le ciel. Tu sais pourquoi tu crées un peu de bruit? Hein? Parce que tu touches la Bible, on ne sait même pas à quoi te dire. Excusez-moi, le public. On va demander au public. J'ai dit. Il dit que. Je vais savoir. Est-ce qu'il n'a pas dit que le paradis c'est le ciel? Il a dit que le paradis c'est le ciel, lui ou non? Maintenant, il te demande l'enfer c'est où? On veut savoir. L'enfer c'est où? Tu ne peux pas. Tu n'as pas bâti. Tu vas expliquer. Tu parles de quoi? Mais dis-le pour après. Tu dis le paradis. Écoute, tu fais quoi? Adam, délaissé. Non, vas-y, parle. Je ne comprends plus, je ne sais plus à quoi te répondre. Attends, moi, je parle le micro. Tu sors ici. Non, tu dis. C'est pas le jour de la résurrection. Tout à l'heure, là, tu as dit que c'est le jour de résurrection seulement qui est dedans. Donc, c'est de ça. C'est de ça. Maintenant, tout à l'heure, là, quand il a lu le verset, il dit. Nous serons comme des anges dans le ciel. Dit, c'est ça là, par le ciel, c'est où? C'est paradis. C'est le paradis. Et l'enfer, c'est où? Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. On va essayer de voir. On va se calmer un peu. Hein, prophète Osée. On va se calmer un peu. Frère Osée. Bon, on t'a dit d'aller dans l'humilité. Pourquoi tu ne veux pas? Où on allait encore là? C'est compliqué. Tu as dit, il n'y a pas un verset qui décrit le paradis. Tu n'as pas envoyé dans l'Apocalypse 21. Ça ne dit pas paradis. D'accord. Donc, si tu as une autre question, Il a dit que quand tu ne sais pas où l'enfer est, tu es prophète, tu es fidèle ton vu. C'est ça que le problème. Tu dis que tu ne sais pas où l'enfer est, tu es fidèle ton vu. Moi, ça me suffit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que vous arrêtez ça. Sont des musulmans, il y a des attitudes à adopter, que ce soit dans le Ramadan ou après Ramadan. C'est pourquoi souvent il y a beaucoup de frères chrétiens, ils ne veulent pas venir échanger avec nous. On ne peut pas. Je vous ai dit tantôt, c'est un ami à nous. Oh, il est venu jusqu'à chez nous à la maison. On a débattu là-bas près de 3 fois. Après les débats, on reste des frères. Vous devez plutôt l'applaudir, l'encourager, même si on n'applaudit pas, mais l'encourager pour dire oui, vraiment, c'est un chrétien, il est venu quand même pour changer. Voilà, il ne faut pas que ce soit ainsi. Non, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais frère, sérieux, excusez-nous, en fait, l'échange. Non, honnêtement. C'est pas pour. C'est vrai que souvent c'est un peu tendu, mais c'est pas pour montrer que c'est nous les plus connaisseurs. Non. Eux aussi sont dans leur doctrine. Nous respectons les positions. Oui. Voilà. Faut pas fustiger les autres. Faut pas huer. Non. Ça, c'est pas le sujet. C'est pas islamique. Voilà, c'est pas bon. Je ne fais pas ça. Donc, nous disons au prophète, regardez bien, j'ai dépassé de loin pour venir. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est vrai qu'on s'est pas entendu, mais on va pas se dire. C'est même un match de football, on s'est pas entendu. Après, on voit quand même. Lui, on le connaît il y a très longtemps. Honnêtement. On fait plein de débats. Honnêtement. On veut pas qu'il se sépare avec les humains. C'est seulement nous, on n'est pas d'accord. Si tu as un dernier mot à dire, tu prends le micro, on t'écoute et puis avant de t'asseoir, frère.
Non, moi j'ai rien à dire. Mon dernier mot, c'est que vraiment je vous remercie. Je remercie aussi le public, je remercie les lecteurs, tout ça. Et je pense que si cette histoire de paradis, on va organiser les face à face. Avec plaisir. Avec plaisir. Il connaît la maison, il est venu deux fois chez nous. On a organisé. Merci beaucoup, bienvenue. Merci pour ta sagesse et merci pour ta compréhension. Voilà, on rappelle que samedi prochain, c'est pas sûr qu'on soit là. Voilà, donc on serait au Figaro normalement le jeudi, et ce sera le dernier jeudi parce que voilà, Ramadan dit à sa fin. Donc si vous ne nous voyez pas samedi prochain, on va se revoir, Inch'Allah. Mais de toute façon, on sera toujours là. On va faire une pause après Ramadan pour faire un peu de tournée et pour revenir encore. Ici, c'est la base, donc on sera là, Inch'Allah. Mais pas ce samedi, même pas samedi d'après, mais quand on sera prêt à venir. Lorsqu'on sera au Figaro, on va annoncer que bon, on reprend les activités du quartier millionnaire. Voilà. Et puis aussi, faites des bénédictions pour nous. Hein. Faites des bénédictions parce que quoi, on souhaite avoir un groupe électrogène. Pourquoi je le dis? Le frère qui nous invite ici tous les samedis, là, remarquez qu'il paye 10 000 francs chaque samedi pour l'électricité. 10 000 francs chaque samedi. Imaginez pas, un peu. Nous n'avons pas de groupe électrogène. Si on avait un groupe électrogène, on mettrait environ 2 000. Chaque samedi, 2 000. Mais lui, il paye 10 000 chaque samedi pour courant seulement. Est-ce que vous voyez? Donc, priez pour nous que si quelqu'un a pu entendre ça, il paye un groupe électrogène. On vient avec ça, on peut voyager partout, on met carburant dedans. Allah va le bénir jusqu'à la fin de ce jour. Allah facilite. Monsieur Rodrigue, c'est ça? Non, c'est Monsieur Roméo. Roméo. Bonsoir Roméo. Je salue tout le monde d'abord. Je rectifie ce que tu viens de dire. Je ne suis pas un pasteur. Voilà. Enlève ça dans ton esprit d'abord. Frère, écoutez-moi. Bonsoir. Bonsoir, je salue. Ok. Bonsoir. Bienvenue. Okay. Vous avez une question? Je n'ai pas de question, mais moi je suis venu faire un débat. Bon arrivée. Ok. Ok. A terminé Ramadan là, ça sert en même temps. Ok. Tranquille. Bonne arrivée. Qu'est-ce que tu nous reproches, mon frère? Ok. Un débat, je ne veux pas que ça se passe comme ça s'est passé avec le monsieur. D'accord. Vous parlez, vous finissez de parler, vous me laissez un temps pour parler. Attends, vous ne pas essayer de. Il faut l'écouter, s'il te plaît. Vous prenez votre question, on va répondre, on avance, frère. Maintenant dans le cas concret. On a pas le temps d'un débat ici. Maintenant dans le cas concret que tu veux un débat, excuse-moi. Écoute-moi. Attends, je vais l'expliquer un peu. Frère, si tu veux un débat, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu as des frères chrétiens qui peuvent t'accompagner, genre le pasteur de l'église, le second pasteur et tout? Ah mais ça c'est un cadeau du ciel. Moi j'appelle ça un cadeau du ciel. Pas aujourd'hui. Mais on organise, vous venez en groupe, on s'assoit, on met chaise, nous on assis. Les bibles sont au milieu et puis vous donnez le thème, mais tu es seul, tu es venu. Ça serait compliqué qu'on fasse débat. Il nous reste 8 minutes pour terminer la conférence. Donc tu vois un peu ce que ça fait. Si j'ai demandé si vous pouvez accepter ça, vous allez accepter cela. Avec plaisir. Je connais mon pasteur. Non, ça dépend de ton pasteur. Actuellement ici, si je dis son nom, vous allez refuser le débat. Il s'appelle comment? Servisophone. Servisophone. Vous allez refuser le débat. Si servisophone, on refuse. T'as vu? C'est qui? Déjà, tu as vu, il dit le fils. Je demande c'est qui. Il a dit son nom. C'est qui? C'est Thierry, non? C'est lui. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais vous affronter, je vais laisser lui. D'accord. Et moi, je vais parler avec lui. Bon, allons-y. Allons-y, on t'écoute. Non, mais moi, je sais que vous allez refuser ça parce que vous le connaissez. En fait, vous le connaissez. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vas-y, Chao. Tu nous as une fois vu. Est-ce que tu nous as une fois vu venir dire un catholique c'est un bâtard, un évangéliste c'est un. Excuse-moi, écoute-moi. Oui, c'est ça. Pourquoi tu vas m'écouter? On ne peut pas faire ça. Est-ce que pourquoi tu vas m'écouter? En fait, votre éducation a une autre éducation, ça fait deux éducations différentes. On n'est pas venu pour insulter quelqu'un. Nous, on dit notre vérité. Maintenant, votre éducation que vous avez là, vous restez ça là-bas. L'islam, c'est plus qu'une religion. Mais c'est une éducation. Et cette éducation ne nous permet pas d'échanger avec des personnes qui ne sont pas éduquées. C'est pourquoi
soi-disant que tu Thierry là. Nous, on a débattu avec lui, non? Qu'est-ce que ça change? Mon frère, est-ce que tu sais que nous, on a débattu avec Thierry? Qu'est-ce que ça change? Non, je veux savoir. Est-ce que tu sais ou quoi? Laisse-moi parler ou bien. Oui, je veux savoir. C'est ça qui est mauvais chez vous là. Faut écouter d'abord, mais tu n'as même pas écouté, tu veux parler. On va te donner. D'abord, tu veux débat. Tu dis tu veux débat, non? D'abord, tu dis on le connaît. C'est parce qu'on le connaît. Quand tu dis on le connaît, c'est comme si on a peur de lui. Maintenant, je veux savoir. Est-ce que tu sais? Je veux savoir. Est-ce que tu sais qu'on a débattu avec lui? Est-ce que tu sais? Si tu dis oui et puis avance. Tu sais qu'on a débattu avec lui? Vous parlez d'un micro. Vous avez fui le débat. On n'a jamais débattu avec lui. Vous avez fui le débat. Est-ce que vous n'avez pas fui? C'est ça qui est votre problème là. Je demande, est-ce qu'on a déjà débattu avec lui? Oui ou non? Lui il a déjà fait débat, lui toi je ne te connais pas. Ok. Moi tu ne me connais pas. Mais est-ce que lui il a déjà fait débat? Voilà, maintenant faut pas te mettre dedans. Lui il a fait débat, lui il le connaît. Toi ton comportement, tu arrives dans un village. Regarde bien, tu arrives dans un village, tu vois quelqu'un arrêté à côté du chef du village, tu dis non, toi qui t'as voté du chef du village. Si toi ta tête ne m'a pas mis quelque part, c'est que c'est pas qui. C'est votre comportement là, regarde comportement comme ça, tu fais comme ça, tu veux te mettre pas. Tu me vois arrêter quelqu'un, tu dis non, toi qui t'as. Non, au revoir. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, c'est votre comportement, oh, s'il vous plaît. Oh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, malgré ce qu'ils ont dit, laissez-les partir. Laissez-les partir, c'est pas ça. On doit montrer le bon comportement de l'islam. Les frères, écoutez bien, tous les musulmans qui sont là, écoutez très bien. S'il vous plaît. Il ne faut pas éclaircir quelque chose. Important, hein. La DDR, c'est vraiment important. La DDR ne refuse pas de débat avec qui que ce soit. Écoutez. Si la DDR refuse un débat avec un individu, allez-y vous poser des questions sur l'individu. Menez les enquêtes sur l'individu et sachez pourquoi la DDR refuse de débattre avec l'individu. Si nous on estime qu'un individu qui ne se fait pas respecter et qui ne respecte pas les règles du débat, nous on ne débat pas avec lui. On ne débat pas, on ne débat plus. Parce qu'on a débattu 5 fois dans le temps. Quoi? Ça n'a rien changé. On dit bon d'accord, tu es le plus fort, il faut partir avec ça. Il ne veut pas. Normalement là, c'est fini, on se laisse. Maintenant sachez aussi à vous les musulmans qui nous écoutez. Allons-y. Notre but là, ce n'est pas de venir créer une tension. Notre but c'est de, d'abord un, vous amener à comprendre bien que vous devez être fier d'être musulman d'abord. Oui. Deux, vous amener aussi à comprendre et accepter la divergence d'autrui. Oui. Il faut accepter aussi les critiques des autres. De la manière dont tu parles des autres là, accepte que les autres aussi parlent de toi. De deux, on est là dans le but de vous amener à vous aimer les uns les autres. Pourquoi? En échangeant avec ton frère chrétien là, tu arrives à l'aimer, tu apprends à le connaître et vous vivez ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Claire. Le but aussi là, c'est de prôner l'amour, l'entraide entre la jeunesse, entre nous les jeunes. Si entre nous les jeunes, on est habitué à échanger, on est habitué à causer, malgré nos divergences, aucun homme politique pourra nous manipuler de sorte qu'on puisse aller couper la tête de nos frères. Claire. À cause d'élections. Voilà notre but, voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est une éducation à ciel ouvert. On se dit sans que vous ne sachiez. Parce qu'au fur et à mesure qu'on échange là, on se connaît. Je le vois dans la rue, il ne peut plus le dépasser. C'est comment faire ça, ça va. Un peu, on arrive à s'aimer. Là, demain, là, si y a élection, tu peux passer, regarder bien, tu coupes tête de l'homme. C'est que l'esprit qui t'anime, là, c'est même pas Satan. Claire. C'est pas Satan. Mais Satan lui te voit, il dit, ouais, toi, tu es dangereux que moi. Tu as croqué même. Donc, c'est ça que nous veut bannir de cœur des musulmans et des non-musulmans. Accepter l'échange. Parce que l'échange là, ça brise les barrières. C'est clair. Donc sur ce, quand vous voyez quelqu'un venir interviewer et venir débattre avec nous, ou bien poser des questions, ne le huez pas, ne criez pas, n'applaudissez pas. Si vous êtes ému, dites Allahu Akbar. Et puis quand les gens là sortent là, c'est vrai que souvent ils n'ont pas d'arguments, mais ne les huez pas. Parce que demain, d'autres veulent comprendre. Il y a d'autres quand ils écoutent là. C'est vrai, sur le chien, ils refusent. Mais quand ils arrivent à la maison là, ils nous appellent en cachette, ils disent. Tu as dit cela, ça m'a touché. Oui. Donc de grâce, on ne sait pas qui peut se convertir à l'islam. Tu vois lui, la fille, non, lui ne peut jamais se convertir. Mais Allah va quitter son cœur. Il sera même ton imam un jour. Quand on donne la bonne compréhension. N'allez pas aussi chez Thierry là-bas pour aller. Mais dit bon, on va rentrer dans son forum. Ouais, il allait insulter musulman. Non, bah. Allah n'a pas besoin que quelqu'un le défende. Si ces personnes-là, leur objectif, c'est d'animer la haine dans le cœur des gens. Hein, mettre le feu, c'est-à-dire que le feu dans ton cœur, tu arrêtes et puis ton cœur te fait mal. Mais quand c'est comme ça, là, tu fais quoi? Va à la maison. Va lui poser, ne faut pas aller lui poser. Laissez-le, il n'a qu'à insulter comme il veut, quand il veut. Il n'en fera pas, comme on dit, non?
Ils l'ont bouté à Koumassi, cassez-toi par là. Mais il continue. Laissez-le. Les gens comme ça, vous avez parti, ils veulent débattre et tout. Nous, on n'est pas seulement débat. On peut débattre avec des personnes, il n'y a aucun problème. L'objectif du débat n'est pas de confondre l'adversaire, vous montrer la véracité de l'islam. Parce qu'ils ne pourront jamais, jusqu'à la fin du monde, prouver le contraire de ce que nous on dit par la grâce d'Allah. Donc, Allah donne la bonne compréhension. Amen. Amen. Enfin, excusez-moi le temps. Monsieur Noël est fait le premier à s'inscrire sur la liste. Ah, attends pour moi, donc on va se finir avec lui. Donc, mais on va se terminer avec vous en même temps. Bienvenue à toi, frère. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oustache Diallé, oui. Et Ismaël Aka. Je salue vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bon, en principe, j'avais seulement trois questions pour vous poser. Mais comme le temps est parti. Non, mais tu peux les poser comme tu étais le premier, il n'y a pas de problème. Ok. La première question. Mais je voulais aussi une réponse. Je voulais aussi une réponse claire. Okay. Qui est basée sur les écritures. Sans problème. Et non la pensée humaine. Voilà. Donc la première question. Quel est le programme de société de Muhammad pour le développement de l'Afrique, par exemple? Voilà ça encore. Il n'y a même pas parlé. S'il vous plaît, on a demandé ici de mettre les noms sur la liste. On ne vous a pas vu. Allons-y, c'est pas grave. On va pas aussi réagir à chaque mouvement du public. Hein. Allons-y. C'est le public. On ne sait pas qui parle. Donc, on va pas réagir. Ma question allait faire vite. Non, on l'a bien compris. Voilà. Je vais répéter encore la question. Quel est le programme des sociétés de Muhammad pour le développement de la Côte d'Ivoire, par exemple, et de l'Afrique? Ma seconde question, j'ai tiré ça du Coran. Si vous me permettez que je lis le passage. Allons-y. Sourate 70, ayat 40. 40. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants. Que nous sommes capables. C'est Allah qui parle. Allah dit, je jure par le Seigneur des levants et des couchants. Ok. Si Allah est réellement Dieu, alors qui est ce Seigneur par lequel Allah jure? Très belle question. C'est la question qui est là. Merci beaucoup. Première question. La troisième question. La troisième question. Muhammad, est-il la résurrection? Si oui, preuve coranique. Merci beaucoup. La première question, le programme de société de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la Côte d'Ivoire, il n'a pas de programme de société pour une ville ou un pays particulier ou un continent. Son programme de société, c'est pour l'univers. Et chaque programme de société que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire, si tu la mets en pratique, tu seras guéri. Si tu la mets en pratique, tu trouveras des solutions à tes problèmes. Je prends par exemple un exemple. Je vais aller un peu plus vite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, il dit repousse le mal par le bien. Ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Premier programme. Est-ce que nous on met ça en pratique? Mm-hmm. Repousse le mal par le bien. Donc son premier programme consiste à mettre la paix et la tolérance entre les individus, le guéré, le baoulé, le djoula. Repousse le mal. Repousse le mal par le bien. Il continue pour dire. Vas-y, ordinateur. Il dit d'abord la connaissance du créateur des cieux et de la terre. Mm-hmm. Ça c'est primordial. Vas-y. Il faut connaître le véritable Dieu, celui qui t'a créé. Si tu refuses, toi, tu t'entêtes pour dire c'est pas lui là, c'est lui là. Muhammad n'a pas de solution pour toi. Deuxième programme, la reconnaissance en un Dieu unique dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Quand on connaît un seul Dieu, on est tous agrippés à ce seul Dieu là. Vas-y, ordinateur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque toi, frère, tu veux te marier par exemple, tu as droit à 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui te plaisent. Pourquoi elle a commencé par 2? Parce que 1 est déjà obligatoire. Solution pour surplus de femmes dans le monde. Donc ça s'appelle la polygamie pour qu'il n'y ait plus de bouclés, de tisards et des trucs. Deuxième, troisième programme, ça empêche des enfants illégitimes et ça empêche que les femmes deviennent des amuse-gueules pour les hommes mariés. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, vas-y, celui qui va commettre l'adultère, s'il ne se répand pas, ça dit d'ailleurs il a commis l'adultère lui là. On doit le tuer. Pour la simple et bonne raison, il allait chercher femme des gens, alors sachant bien qu'il est marié, et la femme de l'autre côté aussi est mariée, la solution pour lui, selon la Bible même aussi également, on doit tuer l'homme et la femme. Très bien. Ça veut dire,
le cinquième programme de Mohammed, installer la crainte et le respect des alliances qu'on tisse et du mariage qu'on tisse les uns envers les autres, de sorte qu'on n'arrive pas, de sorte qu'on ne vive pas dans une société qui est remplie de perversité. Allons-y, Original. Mohammed Salam va nous dire encore plus loin. Il dit le voleur et la voleuse à tout eux, pour peler les mains. Très bien. Sixième programme de Mohammed, chacun doit respecter l'autrui. Les biens sont acquis en fonction de la sueur du front et non à la sueur du côté. Donc chacun qui voit le bien de l'autre va plus voler, exterminer le vol, la délinquance, la dépravation des mœurs dans une société. Donc si tu veux pas que ta main soit coupée et qu'on te repère depuis Cypress, tu vas plus voler. Donc on estipie, il détruit le vol au milieu social, au milieu humain. On alors, disait tout à l'heure, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, voici la description du paradis qui nous a été réservé. Si je vais aller plus loin, je vais citer tout. Je n'ai pas fini. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, quand l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Défenseur, celui qui doit vous aider, il vous conduira dans toute la vérité. Car lui, là, il ne parle pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Deuxième question. On va répondre à la deuxième question. Non, ça, c'est, non, cette question, nous répond en avance. Attends. Parce que la réponse que vous avez donnée là, c'est lui pas basé sur le plan. Tout ce qu'on a dit là, c'est dans le Coran, c'est parce qu'on ne peut pas citer les versets. Non, mais moi, tu as demandé preuve. Bon, d'accord, c'est pas parlable, frère. Il y a des preuves. Attends, je vais donner. Je vais donner. C'est pourquoi on n'a pas donné les versets. Parce que regarde, tu as vu comment on a cité beaucoup de versets, non? Voilà pourquoi j'ai tous. Doucement. En fait, j'ai jamais vu des hommes tout aussi comme ça. C'est-à-dire que toi, tu viens, écoute, tu viens comprendre. Tu viens comprendre quelque chose. Et puis tu imposes ce que toi tu veux. Non, on te dit. D'abord, un, on est pris par le temps. On t'a dit que non, on t'accorde exceptionnellement. On a cité beaucoup de points. Tu veux qu'on a cité chaque verset. Maintenant, ça va nous prendre du temps. C'est pas parce qu'on n'a pas les versets. Hein. Maintenant. Hein? Non, attends, on va voir. Excuse-moi. En principe, j'ai donné mon point de vue. J'ai dit, j'ai plusieurs questions. Mais comme le temps est parti, j'ai une question. Il m'a dit de poser les questions. Donc, il est capable. Donc, tu veux que j'ai donné les versets. On a donné les versets. C'est bon. Les versets. Mais t'as commencé. C'est pas parlable. Mon frère, tu es fâché pourquoi? Non, il ne faut pas que ça soit comme ça. Parce que, il y a donné les versets. Ils vont lire, hein, il n'y a pas de problème. On prend sur la 41, verset 34. Non, ça, c'est ça. Moi, de te donner feuille et épique. Là, c'est ça, non, on va arrête ça. C'est nous, on va te donner feuille et épique. Quand tu vas à l'école, il n'y a pas de catapultes. Il n'y a pas de fournitures. Non, c'est pas élève. Non, c'est un exemple. Dès que tu es venu dans un échange, tu n'as pas de outils. Tu veux verser, on va te donner verser. On va te donner épique et feuille. C'est pas ton échange d'abord. Donc si tu vas à la maison là, regarde la vidéo encore, tu verras les versets. Voilà, Google, tu peux taper. Surat 41, verset 34. Surat 41, 34. Mais lisez les versets s'il vous plaît. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Premier verset. Surat 5, verset 38. Vas-y, deuxième verset. Installation de la paix. Allez, ça nous prend le temps, non? Allons-y. On a arrêté et puis on te lit. Et puis on lit. Or, tous ces versets seront clairs. Attends, il pensait qu'on n'avait pas versé. Il ne faut pas faire ça. C'est l'ordinateur. Verset 38. Ah, ok. Allons-y, 5, 38. Le voleur et la voleuse. Le voleur et la voleuse. À tous deux, à peu la main. On doit couper les mains. À punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. D'accord. Je fais quoi maintenant, frère? Je fais quoi maintenant? Il y a tout ce qu'on a dit là, non? C'est dans le Coran. On va prendre sur la 24, verset 3 et suite. Il y a beaucoup de tout ce qu'on a dit là, on n'a rien pris dans notre tête, c'est dans le Coran. C'est parce qu'on ne peut pas tout citer, on ne va pas quitter sur aujourd'hui. Sur la 24, verset 3 et suite. Comme tu veux, on ne peut pas tout citer. Tu pensais qu'on ne peut pas verser. Le fornicateur ne poussera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes. Là, directement, les 100 coups là, où on doit les chicoter 100 coups de fouet. Sans produit par la suite, comme fouettez-les de 80 coups de fouet. Reprends bien le fessier. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sont produits par la suite, 4 témoins. Fouettez-les de 80 coups de fouet. Et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Surat 24. Est-ce que vous comprenez, frère? Il y a beaucoup de versets dans le Coran. Parce que la Bible et le Coran, c'est pas pareil.
Allah nous donne, il explique dans le Coran. Allah donne, il explique dans le Coran. Il y a beaucoup d'enseignements même que je peux donner qui ne sont même pas dans le Coran. Mais c'est islamique. Ça est dans Tafsir, ça est dans les hadiths. Mais il n'y a même pas toujours tout ça. Donc tous ces enseignements, même pour allaiter son enfant, Allah parle de 2 ans d'allaitement. Même pour partager l'héritage, c'est coranique. Donc qu'est-ce qu'on doit faire encore, frère? Donc on va à la prochaine question. Sourate 5,90. Sourate 5,90. Le croyant, oui. Le vin, oui. Le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Excuse-moi, regardez. On va voir si tu respectes maintenant. Si tu restes, on va voir pourquoi il y a des ordres en Afrique. Tu es africain, non, moi c'est africain. Excuse-moi. La sourate même dit la lui là, mais ça vous contredit. Ça nous contredit. Oui. Parce qu'il a parlé des vins. Or, le Coran enseigne que le buveur est buveur. C'est faux. Bon, attends, doucement. C'est faux. Mais t'as vu que tu nous as envoyé ailleurs. Non, mais il dit c'est abominable. Doucement. Mais Allah vous a promis que dans le ciel, vous n'allez pas faire. Bravo. Doucement. Exactement. Frère, excuse-moi. Quand tu es venu là, tu as dit qu'on a donné le programme de gouvernement des. Tu dis on a qu'à te donner ce que le prophète Mohammed a fait pour l'Afrique, non? Son programme pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Mohammed dit, on doit battre le vin, les jeux de hasard, les flèches dressées, c'est-à-dire quoi, l'alcool, les jeux de hasard, tout ça c'est interdit. On ne doit pas faire tout ça là. Je veux savoir, est-ce que toi tu bois ou tu bois pas? Je bois pas. Tu joues pas à hasard. Mais dans ta famille, tout le monde joue pas à hasard aussi. Je demande. Je n'ai pas dit connaître ta famille. Voilà. Je veux savoir si dans ton entourage, il n'y a pas quelqu'un qui boit. Mon entourage, mon entourage personnellement, nous sommes des chrétiens. Donc chrétien ne boit pas. Hein. Nous, on ne boit pas. D'accord, donc il n'y a personne dans ton entourage qui boit. Mon entourage, tu veux parler de quoi? Genre, je veux dire, à part ta famille chrétienne, à tes voisins, il n'y a personne qui boit. Mais est-ce que je marche avec eux? Non, je veux dire, moi je connais des gens qui boivent, mais ils marchent pas et me connais des gens qui boivent. Mais moi, il faut bien connaître la vie. Est-ce que tu comprends où je vais t'amener? Je vais t'amener à comprendre que malgré que c'est là, on ne respecte pas, il y a des gens qui ne respectent pas, non? Ah, mais donc faut pas arriver 6 mois et puis. Non, en fait, quand il arrive chez toi, c'est pour t'amener à comprendre que nous-mêmes autour de nous là, on ne respecte pas ce que le prophète a dit, mais on veut que la chose se passe. On veut la paix. On veut que tout se passe bien. T'as vu, non? Donc, heureusement que Mohamed avait déjà parlé de ça. Sauf que c'est nous les hommes qu'on ne respecte pas. Voilà pourquoi il y a le désordre en Afrique et dans le monde. Comme Moussa Dané a dit, c'est dans l'univers. Si tu ne respectes pas ce que Mohamed a dit là, il aura toujours des autres. Ils vont toujours nous battre, ils vont toujours voler, ils vont forniquer, en fait, c'est parce qu'on ne respecte pas. Tu vois que les gens sont en prison. C'est parce que c'est la désordre. On ne respecte pas la loi. Donc quand tu ne respectes pas la loi que lui t'a transmise de la part d'Allah, ton sort c'est l'enfer. Donc tu as demandé également est-ce que Mohamed est la résurrection. Non, il n'est pas la résurrection. C'était quoi? La deuxième question, c'est de savoir qui est le Seigneur des levées des couchants. Oui. Allah jure. Allah jure par le Seigneur des levants et des couchants. Qui est ce Seigneur par lequel Allah a juré? C'est le Sourate. Sourate 55. Sourate 55 quand même. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur mirez-vous? Sourate 55. Sourate 55 quand même. À partir du verset 7 et 8. D'abord, la sourate 55, dis-moi le verset 1 d'abord. Voilà, et puis on va aller 17, on va savoir c'est qui ça parle. Le tout miséricordieux. Allons-y. Il a enseigné le Coran. Le tout miséricordieux. Dans le Coran, le tout miséricordieux, c'est Allah. On est d'accord, non? Ah, ok, il n'y a pas de souci. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Le soleil et la lune, les deux évoluent dans un calcul minutieux. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Tout cela, c'est lui qui a fait. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut. Et il a établi la balance. Oui. Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Quand vous allez transgresser dans la pesée, vas-y. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Voilà un conseil encore que je vous attends. Donnez toujours le poids et ne faussez pas la pesée. Oh, les gens sont là pour pétiller tous les jours. Chaque jour. Ah, et puis on met la pesée. Il paye bidon ça là à 500. Il dit, wallah, il est payé à 12 000. Wallah, mon frère, c'est mon dernier prix qui est là. C'est ça là, il a fait des tirs. Vas-y. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits et aussi les palmiers, aux fruits recouverts d'enveloppes. Vas-y, frère. Tout comme les grains de l'opale et les plantes aromatiques. Oui. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Allah, il pose la question, mais c'est quel bienfait qu'il a fait que vous allez nier? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Il vous a créé d'argile sonnante comme la poterie.
et il a créé le djinn de la flamme d'un fumée sans feu. Allons-y, frère. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Seigneur des deux levants. Seigneur des deux levants. Et Seigneur des deux couchants. Le Seigneur des deux levants, des deux levants, c'est Allah. Donc, quand il dit Jésus, écoute, passe, blablabla. Quand il dit Jésus par le Seigneur des deux levants et des deux couchants, il s'agit de lui-même. Oui, le Seigneur des levants et des couchants, c'est Allah. C'est pas Allah. Parce que c'est non, relis la surah, c'est cassé là. Parce qu'il peut pas dire Seigneur des deux levants et des deux couchants. Et puis encore, il va venir dire je suis pas le Seigneur. Il s'adresse à quelqu'un. Je suis pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, lui par lui-même. Attends, mon frère. Je vais te montrer les textes. Hey, on sort pas du Coran maintenant d'abord. Pas vous faites là, non? C'est ça qui fait que les gens vous ouillent aussi souvent. Calmez-vous, on va comprendre. Ne rappelle pas le nom de ton Seigneur. Vas-y. Et consacre-toi totalement à lui. Le Seigneur du levant et du couchant. Qui est le Seigneur du levant et du couchant ici? C'est pas Allah, pas ici, Allah. Tu es dans quelle surat? Donc toi, tu as lu quelle surat? Donne-la-leur, surat. Tu veux de lire quelle surat? Les frères, vous venez de lire quelle surat tout à l'heure? Pardon, surat 73. Le Coran s'explique par lui-même. Surat 73, verset combien? Verset 8 à 9. Allons-y, folie. Vérifie ça là-bas, frère. Et puis tu dis. 73, 8 à 9, folie. On a pris 15 minutes avec toi. Hein. Alors on devait arrêter à 22h. Il y en a qui sont quittés à Kumasi et tout ça. Donc tu vois, c'est à cause de lui-même on arrête vite la conférence. 8 à 9. On souhaite bonne soirée. Surat 73, verset 8 à 9. Pardon. Lis en bas. Pardon, faut lire pour moi, pardon. Surat 73. Quand tu as donné sur l'homme qu'on a lu, non? Non, c'est moi qui ai lu Non, on veut que tu lises, là, tu vas comprendre rapidement. Maintenant, il va lire, je peux comprendre. Non, nous, on préfère. Regarde, quand ça sort de ta bouche, là, ça rentre directement. Vite, vite. Donc, tu ne lis pas le verset. Parce que nous aussi, on ne répond pas à ta question. On te dit de lire, tu veux lire. Mais lis, pour comprendre. Ça, pour comprendre, mais c'est pour se fâcher. Mec, tu ne sais pas lire. Prends le micro. Mon frère, on sait, on dit, on te donne un verset, non? Ouais, c'est le modérateur. Il veut te montrer quelque chose que tu ne veux pas. Non, mais tu as donné la sourate. Il n'a qu'à lui. Tu as ça, non? Tu as demandé pourquoi? On l'a arrêté. Bon, mon frère, tu as dit. Il s'est fait tard, tu ne veux pas nous aider. Non, c'est vous, le pape. Bon, ok, attends, tu sais. Ça nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup à tous. C'était la DDR, comme il a dit, le Seigneur du levant et du couchant, c'est Allah. Si vous voulez lire le verset, lisez le verset. Voilà, donc on sache qui est le Seigneur du levant et du couchant. Les fêtes d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction, qui vient, vers laquelle ils se rendaient auparavant. Dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. C'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Voilà, donc le Seigneur du levant et du couchant, c'est Allah. Donc quand Allah est dit, je jure par le Seigneur du levant et du couchant. Et ne fait que jurer par lui-même, c'était la DDR. Merci beaucoup. Vous êtes Allah. On se retrouve après les fêtes, Inch'Allah. Pour d'autres conférences, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.